Donne-moi ce livre-là. Voilà. Alors. Avant qu'on étudie le psaume numéro 2, il faut connaître l'état de David en disant ce psaume. Alors il faut raconter d'abord qu'est-ce qui s'est passé pour que David puisse raconter ce psaume-là. Alors d'abord on va étudier le psaume très simple, ça veut dire on va expliquer mot à mot ce que ça veut dire, etc. Et après on va l'expliquer aujourd'hui en 2015, comment ça fonctionne. D'abord il faut savoir que le roi avant d'Israël, le premier roi d'Israël, c'était Shaoul. Shaoul, c'était le premier roi d'Israël, et c'était vraiment le roi destiné pour le peuple juif. Il était très grand, très beau, très fort, très sage, très riche, très majestueux. C'était vraiment un homme où il avait toutes les qualités d'un roi. C'était vraiment l'homme... Mais malheureusement, Shaoul... On ne peut pas dire nous, mais la Torah nous dit qu'il est tombé dans la jalousie quand il a vu David. Il a vu que David, c'était un jeune, qui était petit, qui était rouquin, qui était simple, d'une famille... Moyenne. Ouais, moyenne, normale. Surtout que David en lui-même, il avait déjà un mauvais nom depuis qu'il est né. Parce qu'on l'appelait que c'était comme un mamzer, parce qu'il ressemblait à personne. Et que son père, il était séparé de sa mère. Donc, il était toujours celui qu'on rejette. Il était celui, on l'a mis où? Le fils de David. David lui-même, on l'a mis où? On l'a mis au faire les... Il était avec berger. Il était là où il y avait les ânes, les etc. etc. Et c'est ce qu'il faisait toute la journée, jusqu'à que Shmuel, le prophète Shmuel, Navi, il reçoit une prophétie comme quoi Akadosh Baruch Hu lui dit va chercher un nouveau roi pour le peuple juif. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, alors Shmuel lui dit mais comment je vais trouver un nouveau roi pour le peuple juif? Alors Shmuel lui dit regarde, va là-bas, il y a une famille qui s'appelle comme ça, et va chercher. Dans cette famille, le roi est destiné. Alors Shmuel y va chez Ishai, le père de David, et dit voilà, j'ai reçu une prophétie comme quoi un de tes enfants il va être le roi d'Israël. Shaoul ne peut plus rester être le roi. Shaoul, le pauvre, il est devenu fou. Fou, vraiment. Donc il ne peut pas continuer à être le roi. Donc d'après Akadosh Baruch Hu, un de tes enfants, il doit être le roi. Mais c'est le prophète qui dit ça. Ouais, Shmuel. Mais le roi, il n'a pas dit t'es un fou. Ouais, alors voilà, on va raconter. Mais fait... c'est Shmuel qui a loin aussi Shaoul. Ah, ok. Donc il ne peut pas dire. Ah, mais Shaoul, il savait, c'est le moment-là qu'il devait... Ouais, c'est le moment qu'il savait... Et ce qui s'est passé, c'est que Ishaï était hyper content. Alors vite, il lui a amené le premier-né. Le premier-né, super beau gosse, grand, fort et tout ce qu'il fallait. Et il vient et Akadosh Baruch Hu, il essaye de voir. Et Shmuel, il jette l'huile sur lui, parce que c'est comme ça qu'il fallait le oindre. Et quand il jette l'huile, il ne tombe pas sur la tête du premier-né. Ça tombe autre part. Ça ne se coule pas sur sa tête. Alors il a dit, c'est pas lui le roi. Amenez-moi un deuxième. Alors on lui amène le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Sept enfants, personne, rien du tout. Alors Shmuel lui dit, attends, t'as pas un autre fils? Son père, il dit, ben non, j'ai pas d'autre fils. Il dit, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que c'était un de tes enfants qui doit être un roi. J'ai pas d'autre fils, il dit Ishaï. Il dit, non, c'est impossible. Amenez-moi tous les servants, amener toute ta maison, tu me l'amènes. À la fin, il vient Ishaï, il dit, tu sais, j'ai peut-être un fils, hein, je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être mon fils. Il s'appelle David, et il est là-bas dans les champs en train de berger le troupeau, le bétail. Alors il a dit, amène-le moi. Il a emmené, dès que Shmuel l'a vu, tout de suite, il a dit, c'est lui. Vite, il a emmené, et il a oint. Dès qu'il a oint, l'huile a coulé sur sa tête. Il a dit, ça y est, c'est lui le roi. Quand ils ont entendu que c'est lui le roi, c'est la fête. Ils ont essayé de le chasser. Hein? Bah oui. Alors, 7 ans. C'est là que ça démarre. 7 ans, ils n'ont pas voulu recevoir David en étant roi. Vous imaginez ce que c'est, mais.
Le peuple juif. Le peuple avec. Donc le roi. Le peuple juif était avec Shaoul le roi. C'est une machine. Question, qu'est-ce qu'il a fait David pour distinguer comme ça pour qu'Hachem le choisisse. Pour se distinguer de ses frères, de tout le peuple. Il est on dit qu'il était rejeté, etc. Non, il a dû prier. Il a dû prier tellement, il a dû prier. Ah oui. Regarde, tu sais ce qu'on dit? On dit que tous les plus grands tzadikim, si tu vois dans l'histoire juive, dans la Bible, tous les plus grands tzadikim, c'était tous des bergers. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tous étaient des bergers. Et pourquoi c'était tous des bergers? Parce que quand un homme, il est en dehors de la civilisation, il est dans la forêt, il est avec le troupeau, avec le bétail, avec la nature, automatiquement il est proche de Dieu. Donc en fait, tout ce temps-là, c'était un temps de préparation pour devenir le roi. Tu comprends? Donc en fait, c'est pas, les gens ils croient que il a été puni, qu'il a été... En fait, c'était pas ça du tout. David Amalek, il était super peinard, il était très simple, tranquille, personne l'embêtait, il avait ses troupeaux, mais en fait, il priait que Hachem toute la journée. C'est comme ça qu'il a fait les Tehillim. Tous les psaumes... Il faisait les psaumes avant d'être roi. Ouais, bien sûr qu'il faisait les psaumes. À ce moment-là, il faisait des psaumes. Ouais, bien sûr. Il faisait des psaumes, comment se rapprocher de Dieu, etc. On va les étudier, mes Hachem. Et comme ça, en résumé, ce qui se passe, c'est que le pauvre David Amalek, il est roi. Maintenant, c'est qui le rend roi? C'est Shmuel, le prophète Shmuel. Un des prophètes les plus grands qui puisse exister. Et le pauvre, il est roi, mais il n'est pas roi. Vous imaginez ce que c'est? Parce que quand quelqu'un te désigne roi, c'est pas comme dans les films qu'on voit. Quand un prophète te désigne roi, tu dois être un roi. Tu ne peux pas jouer un jeu. Tu es obligé d'être un roi. Tu as une couronne, tu as un sceptre, tu as une maison. Tu dois avoir des guerriers, tu dois avoir tout. Oui, c'est... Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout le peuple est contre toi. Donc t'es roi sur qui? T'es en train de faire un jeu, là. Tout le monde est en train de se foutre de ta tête. Et le pauvre, il a souffert énormément, David Amalek, vraiment pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il a souffert le martyr, comme on ne peut pas s'imaginer. Jusqu'à qu'il est parti habiter à Hebron, David Amalek. Il est parti habiter à Hebron, c'était là-bas sa maison. Quand il est parti à Hebron, il y avait juste la tribu de David qui était ses alliés. C'était la tribu de Yehuda. Que la tribu de Yehuda, eux, ils l'ont reçu comme roi. Mais il a tué Goliath avant les trois ou après? Avant, bien avant. Avant, donc bien il savait quand même. C'est une des choses que ça l'a monté à la tête à Shaoul, en disant, mais attends, je comprends pas, tous mes guerriers, ils tombent. Et il y a un petit comme ça donc que... Donc le peuple, il a pas dit ça à ce moment-là? Ouais, ils ont vu, ils ont dit, ouais, mais tu sais comment c'est les gens, ils parlent, et malheureusement, ils ont parlé énormément sur David. Et on va apprendre en plus ce soir comme quoi David, vous savez, nous on connaît la moitié de l'histoire, mais l'histoire complète, on la connaît pas vraiment. Comment il est né? David, quand il est né, il devait mourir. Ah, il en avait 70 ans. Et Adam Harishon, il lui a donné 70 ans. Ça, c'est il devait vivre 1000 ans et il a vécu 930 ans. Voilà. Et les 70 ans, il a donné à David. C'est pour ça que David a vécu 70 ans. Ça, c'est la moitié de l'histoire. Ouais. L'histoire complète, c'est que quand Adam Harishon est venu à l'âge de 930 ans, l'ange de la mort est venu le prendre et il a dit, attends, je dois vivre 1000 ans. Ah. Il lui dit, ah, mais t'as oublié que t'as donné 70 ans à David Amalek? Il a dit, eh ben, je regrette. Alors il a dit, t'es sûr que tu regrettes? Je vais reprendre les 70 ans de David et je vais te les redonner, t'es sûr de ça? Alors Adam Harishon, il a dit, non. Je veux que David y vive, mais je veux aussi vivre 1000 ans. Pourquoi c'est une faute pour moi? Alors Adam Harishon, il a dit, tu sais quoi? Tu mourras à 930 ans. Mais les 70 ans, il ne t'appartiendra pas à toi. Donc on va les mettre sur la tête de David et on verra si David, il était chaque seconde, il devait mourir depuis qu'il est né. Pourquoi? Parce que c'était pas sa vie à lui. Et Adam Harishon voulait reprendre sa vie. Donc dans des deux côtés, le pauvre, c'était un mec que chaque seconde, David Amalek, il suppliait Dieu que Dieu lui donne la vie. Tu t'imagines, c'est quoi ce... David, il le savait, ça? Ouais, bien sûr qu'il le savait. Quand il est né, il devait mourir. Ah oui, parce il le savait. Il pas. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit. C'est pour ça qu'on dit que David n'a jamais dormi. On dit que David, il dormait pas. Il dormait une demi-heure par jour. Pour éviter de prendre. Parce qu'il savait pas. Il dit, moi, ma fille, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je vais pas dormir. Zéro. Et zéro. Donc lui, il va pas dire, je vais aller dormir. Je devais être mourir, maman. Donc il profitait chaque seconde de sa vie. Ma grand-mère me dit toujours, dormir, c'est mourir. C'est vrai. Donc imagine-toi comment ça fonctionne. Mais Kitsu, ce qui se passe, c'est que Hebron. David, donc, comme il ne pouvait pas être
le roi de tout Israël tant qu'il était le roi que de Hébron. Et c'était qui son peuple? Son peuple, c'était toute la tribu de Yehuda. C'était la tribu de Juda. Et si c'était pas beaucoup de personnes, mais c'était au moins c'était ça son... Ce qui se passe, c'est qu'un jour, après ces 3 ans-là, Dieu se réveille à David pour la première fois. Pour la première fois, Dieu parle à David. Il avait comme une prophétie, David, quand même. Il avait une... Ça a été la première fois. Cette première fois-là... Ah, je ne savais pas qu'il avait continué de parler avec lui. Ouais, ça a été sa première fois où Dieu, on va l'étudier dans le psaume, où Dieu dit à David, « Je te résigne comme roi. » Ah. Alors, de là, on apprend quoi? De là, on apprend que David, depuis le départ, tellement qu'il était humble, regardez cet homme, comment il était gentil, tellement qu'il était humble, il s'est dit, « C'est vrai que Shmuel, il m'a résigné roi. » Mais moi je suis un homme simple. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Alors, si on m'a dit, non, je vais juste être roi sur ma tribu, puisque moi, je suis la tribu de Yehuda, donc je vais juste être Yehuda, mais je reste peinard. Moi, je ne suis pas... Là, Kadosh Baruch Hu, il s'est réveillé après 3 ans. Il s'est révélé à David. Et il a dit, non, tu ne vas pas me jouer ce jeu-là. Tu vas être le vrai roi de tout Israël. Et là, David, il a dit, si c'est ça, alors OK, tout de suite, je reprends ça. Et c'est ce qu'il a fait. Depuis ce jour-là, David, il a dit à Hachem, si c'est ça, il faut que tout le peuple aussi le sache. Je ne peux pas être roi comme ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sorte de prophétie comme quoi tout le peuple juif ont su que David était le roi de tout Israël, qu'il veuille ou pas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple juif est venu à Hébron. Et là-bas, ils se sont prosternés et ils ont dit, vive le roi David. Et c'est là où David... C'est la première fois où David est désigné roi de tout Israël. Mais il n'acceptait pas ce statut. Parce que c'est Dieu qui lui a ordonné. Alors il a dit, si c'est Dieu qui me l'ordonne, ok. Tout à l'heure, c'était Shmuel. Shmuel, ouais, c'est un homme. Il avait quand même une grosse part d'humilité. Ouais, mais on voit cette humilité dans sa vie. Comme quoi, il faisait les guerres en premier. Normalement, le roi, il ne sort pas en guerre. Comme quoi, énormément de choses. Et il marchait sans des gardes du corps, et il faisait ce qu'il voulait. Ça veut dire c'était un homme vraiment normal. Mais ça veut dire lui, sa royauté, c'est juste pour une seule raison. C'est quoi sa raison? C'est parce que c'est Dieu l'a désigné roi, c'est tout. Dieu, il veut que je sois roi, donc c'est mon service dans ce monde. D'être le roi d'Israël, point barre. Moi, je ne rentre pas dans cette histoire-là. Et pourquoi elle n'a pas désigné prophète? Hein? Pourquoi elle n'a pas désigné prophète? Parce que s'il enlève 70 ans quand même de Adam à Rishon, c'est que c'est quelque chose. Ouais. Mais le roi, c'était plus que prophète. Ah bon? Ouais. Bah, je pense que le roi d'Israël, c'est le roi d'Israël. Le roi, c'est plus qu'un prophète. Parce que c'est un roi. Le roi David, c'est un prophète. Le roi David, quand il dit une phrase, c'est qui sait, ça va se passer dans 2000 ans. Ça nous aide 2000 ans après, c'est un prophète. Mais le roi David en lui-même, il était au niveau, tu parles de niveau, il était plus fort qu'un prophète. Ben vadaï. Il parlait avec Dieu? David, ouais. Alors, c'est plus qu'un roi alors. Pas un roi. Bien sûr. En fait, je vais pas dire. Ah, ouais. En fait, le roi. Je savais pas qu'il avait un niveau de niveau. Sinon, les autres rois. C'est pas un simple roi comme tu penses croire. Pas du tout, du tout. C'est ça qu'il est dit, pas comme à la télé. Voilà, exactement. Je me suis fait cette image là. Pas Louis XIV, quoi. Louis XIV, c'est la télé. C'était un vrai tzaddik. Mais maître, c'était un homme vraiment qu'on ne peut pas s'imaginer. Tu t'imagines qu'on enlève leur royauté à quelqu'un, on lui donne à quelqu'un d'autre? Il y a des lois humaines. C'est son fils, son frère, la famille, quelque chose. Là, on la donne à quelqu'un d'autre complètement. Donc cet homme-là, c'est vraiment quelqu'un qui est apte, qui est né pour être un roi. Donc, ce n'était pas juste quelqu'un au pif qu'on a pris. Ouais. Et ce qui se passe, donc David, là, il voit que maintenant, il a plus de force parce que maintenant, tout le peuple juif est avec lui. Et il était dans la religion? Ouais, bien sûr. David, depuis tout petit, il était toujours proche de Dieu. Regarde, un homme qui souffre, il est toujours proche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit que le monde, il est contre lui. Alors automatiquement, il est obligé de se rejeter vers qui? Vers son Dieu. Et comme le pauvre David, depuis qu'il était tout petit, il était rejeté, on l'appelait le bâtard, etc., etc. Toujours, il était proche que de Dieu. Il parlait toute la journée qu'avec Hachem, tout le temps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il est roi pendant 3 ans à Hébron. Et là, il apprend, Dieu le fait apprendre, comme quoi il y a quelque chose à faire de très important. C'est quoi ta première mission de faire? C'est de prendre Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il faut construire le Beth Amikdash. Jusqu'à maintenant, il y avait le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'était un mini-temple. C'était un temple démontage. Là où les peuples juifs
Ils allaient, ils démontaient, ils mettaient. C'était le même que celui qu'ils avaient dans le désert. Shiloh. Ouais. Shiloh. C'était Shiloh, il est resté 52 ans. Il y avait, ça a été sur plein d'endroits. Là où ils allaient, ils prenaient le Mishkan, ils le mettaient. Et ils faisaient des sacrifices là-bas. Ouais. Tout se faisait là-bas, mais c'était un mini. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait juste. Portatif. Voilà, c'était juste. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit à David, il faut commencer à penser. Maintenant que t'es roi, il faut faire le temple. Il faut qu'il y ait ma maison. Je veux que tu commences à chercher ma maison. Par contre, Et là, David, il sait, c'est pour lui, ça a été son chef-d'œuvre. De toute sa vie, ça a été son chef-d'œuvre. De chercher l'endroit exact où on peut faire le temple. Parce que c'est pas juste que tu prends un endroit qui est bien et tout. C'est un endroit où Dieu il devait être résidé. Donc c'est comme quelqu'un qui cherche sa maison. Il ne va pas prendre une maison là où il trouve et il habite. Donc il s'est dit, son travail, c'est un travail de vie qu'il a fait. Et pendant ces 3 ans-là, quand il était à Hebron, c'était de chercher. Et là, mes amis, énormément de psaumes de Télim ont été écrits pendant ce temps-là. En demandant à Hachem, mais qu'est-ce qu'ils me veulent là? En demandant à Hachem, ah, c'est peut-être Avner. Donc, ce qui se passe, c'est que David. Tiens, tu ne peux pas répondre, mon cher. Mais Kitsu, ce qui se passe, c'est que David, il est à la recherche. C'est Avner. Allô? Mais dis-moi, moi j'avais entendu que c'était David lui-même qui résidait dans le palais, qui disait, je sais pas où je réside. Et Hachem, il réside que dans le Mishkan. C'est lui qui a interpellé, il disait, il faut que j'aille être un réassurant. Ouais, soit. Exact. Mais pas Hachem qui lui a dit. Il y a comme ça, t'as raison. Moi j'ai entendu que. T'as raison. Ah, il y a les deux, on sait pas exactement. Il y a les deux ensemble. Non, les deux ils sont vrais. Les deux ils sont vrais. C'est lui en premier qui a pensé à ça, après Dieu il lui a ordonné. Ah, d'accord. C'est les deux, ils sont vrais. C'est qu'en fait, David, comme il dit, David, il était dans son royaume et il se dit, comment moi j'ai un royaume et que Dieu n'a pas son royaume. Donc il est parti à la recherche du terrain pour trouver la maison de Akadosh Baruch. Et tout ça, Shaul, il était encore roi sur Israël. Malheureusement, Shaul n'était pas roi, mais il était vivant, le pauvre, et il était malade. Shaul? Ouais. Il n'était plus roi. Non, mais il n'était plus dans le palais en train de régner. Il avait son palais. C'est ça le problème. De là, ils sont venus toutes les guerres qu'il y a eu, malheureusement. Entre les Juifs. Ah, Shaul, il est resté dans le palais. Mais Shaul, il savait qu'il allait arrêter de régner. Et Shaul, c'est un sadique quand même. Oui, c'était un sadique. Shaul, il a écrit que Shaul, il n'a jamais fauté de sa vie. Il a écrit. Oui, mais Shaul, il a fait une faute. Et cette faute-là, il a coûté toute son royauté. C'est ça. Sa royauté. Ok, mais lui, il le savait, ça. Il savait qu'il avait fauté. Alors, il a écrit que Shaul. Shmuel, etc. Et de là, on apprend que la jalousie, elle prend la tête de l'homme. Dès qu'il est devenu jaloux de David, c'est terminé. Son cerveau était plus normal. Ah oui. Il a tué une ville en entière de Kohanim. C'est ce que c'est. Shaul, il a tué des Kohanim. Une ville en entière, Nov, Ira Kohanim. Il a tué tous les Kohanim qu'il y avait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec David. Tu t'imagines de quoi on parle? Mais il a entendu que David était là-bas. Voilà. Non, c'est là-bas qu'on apprend que même si tu as entendu de la Shonara sur quelque chose. Il n'a pas fauté. Parce qu'il était fou. Ah oui. Tu comprends? Il n'a jamais fauté, Shaul. Shaul, c'est resté. Un avocat, il a. Ah ouais. Il a réussi à le faire 31 fois, là, mais je souhaite. Mais maître, c'est ça l'histoire. C'est que Shaul, malheureusement, de là on apprend c'est quoi la jalousie. C'est énorme. C'est que tout ce qu'il a fait, on n'y compte pas. Il y a écrit comme ça. Comment il y a écrit? Il y a écrit, Shaul ressemble, dans la Bible, il y a écrit, Shaul ressemble à un bébé de 1 an. À ce moment-là? Jusqu'à la fin de sa vie. Et on apprend comme ça, comme un bébé de 1 an n'a jamais fauté, alors Shaul aussi, il n'a jamais fauté. Wow. De là on apprend ça. C'est bouillant. Mais quand même. Ça. Ouais, mais d'un autre côté, il y a marqué. Il a eu une mordure aussi, Shaul. Hein. Non, d'un autre côté, il s'est pas suicidé, il a pas eu un truc comme ça. Il est mort comment, Shaul? Il s'est fait couper la tête ou il s'est suicidé? Non, non. Je me rappelle pas. Il est mort spécial. Il est pas mort. D'un autre côté, il y a marqué chez En Over Avera. Elam Kenner. C'est-à-dire que chaque personne qui fait un péché, c'est-à-dire qu'il a eu une folie de le faire. Ouais. On est tous. Il y a écrit, Rabbi Akiva a dit que c'est ça qui va nous faire sortir après le. Ce qu'on a fait. Hein? Non, François Michel. Ça se fait là ou avant. C'est pareil. Non, c'est les biais, c'est les biais des fois. Il y en a. Mais j'ai compris ce que tu veux dire. Quand on vote aussi inconsciemment, c'est ça qui va nous faire sortir. Bien sûr. On vote inconsciemment et on vote des autres. Pourquoi je l'ai fait? De quoi? De quoi? C'est 5 euros, tu veux. Il a dit les fautes, c'est ce qui va nous faire sortir.
Bien sûr. Quand elles sont faites à pas intentionnellement que tu veux le faire. Mais quand tu fais une faute en vrai, tu descends pas, tu montes. Parce que c'est cette faute qui va te permettre de monter. Vie, si ça. Tu montes, mais si tu perds pas l'espoir, ça va t'apprendre. Jamais perdre l'espoir. Ouais. Ça t'apprend, ça t'apprend. Parfois dans la vie, on croit qu'on recule. Ouais, mais on l'avance. Ça, c'est ce qu'on va apprendre dans ce psaume-là. Non, en vérité. Je crois que le Ramchal dit ça. Il dit qu'en vérité, c'est pas la Ramchal, il y avait Rabbe Zanson qui avait fait un chiour sur les côtés moraux. Rabbe Nathan dit que quoi qu'il arrive, on faute pas. Pourquoi on faute pas ? Parce que comme Hachim, il a tout fait revenir à lui du début à la fin du monde. En vérité, même quand tu fautes, tu crois que tu fautes, mais pour Hachim, tu fautes pour toi, mais pour Hachim, ça n'a pas de valeur la faute que tu fais. Tu vas voir ce qu'il va dire là, David, qui va tomber par terre, frère. C'est exceptionnel, on ne peut pas s'imaginer ce psaume. Alors d'abord, il y a une introduction que j'ai besoin de vous dire. Pourquoi c'est important de lire les Tehillim ? Pourquoi ? Il y a des autres prophètes qui ont dit des autres Tehillim et tout. Yeheskel, Habakkuk, ils ont écrit des Tehillim, des psaumes. Parce que, comme je vous ai dit le cours dernier, ce qu'il dit David, David a passé ce que nous tous, on peut passer dans cette vie. C'est-à-dire, le problème qui peut se passer dans ta vie, David l'a eu. Et il a prié dessus. Donc ce qu'il dit, c'est actuel. C'est actuel, c'est pas ça s'est passé il y a longtemps. Et ça, on va le voir ce soir. D'abord, on va expliquer le psaume, comment ça s'est passé. Et après, on va le voir comment il nous parle aujourd'hui, actuellement. Ok ? Béquille sur ce qui se passe. David va à la recherche de Jérusalem. Mais le problème, c'est qu'à Jérusalem, il y avait qui là-bas ? Les Philistins. Ah, ils étaient là-bas. Quoi, c'était pas Roi Meshaoul ? Hein ? Non, c'était les Philistins, ils habitaient à Jérusalem. À ce moment-là, à l'époque, quand il était roi, il n'était pas à Jérusalem ? Non, il n'était pas. Ils n'ont jamais été rois avant David, ils n'ont jamais été rois à Jérusalem. Jamais été roi à Jérusalem. Ah, je ne savais pas ça, tu vois. Il y avait donc les Philistins. Et les Philistins, alors, maintenant que Shaoul y voit que tout le peuple juif est avec lui, il a dit, c'est le moment, on va rentrer en guerre avec eux. Il faut prendre Jérusalem, parce que je sens qu'à Jérusalem, le temple, il doit être là-bas. Mais le problème, sans qu'il sache David, c'est que tous les Philistins, quand ils ont entendu que les Juifs, ils ont désigné David comme roi tous ensemble, tous les Philistins, ils sont tous venus à Hebron pour combattre David. Ça veut dire, lui, il est parti à la guerre, mais en fait, c'est la guerre qui est venue vers lui. Et c'est là où David a vu, parce qu'il a vu que les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Philistins, ils ont appelé tout plein d'autres rois et plein de conseillers, plein de riches, plein de personnes très haut niveau pour essayer de comprendre comment on peut anéantir les Juifs. C'est pas, les Philistins, aujourd'hui, c'est pas les Palestiniens, c'est pas, on dit que c'est les mêmes... Ouais. Non, ça pas aujourd'hui, ça n'existe pas aujourd'hui parce que les Arabes ils se mélangent. Les Chtim. Ils se mélangent entre eux donc aujourd'hui ça n'existe pas. Ouais, chaque tribu. C'est terminé aujourd'hui, ça s'est effacé complètement. Mais quand même, il y a quand même une notion. Mais il y a une notion. Il y a une notion des Palestiniens. Ouais, bien sûr, il y a une notion. Béquille sur ce qui se passe. Et là où quand David est sorti et il a vu le tas d'hommes importants qui sont venus mettre en guerre contre David, il a eu très peur. Et c'est là où il a dit ce psaume-là, le psaume 2. Ah, le jour où il a eu peur. Dès qu'il a vu tout le monde, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Philistins ? Tu crois que c'était des imbéciles ? Ils sont venus avec des Kalachnikov et qu'ils ont commencé à tirer ? Non, c'était déjà un peu... Eux, ils ont commencé à faire quoi ? À rentrer chez les Juifs. Et ils ont commencé à dire, ouais, mais qu'est-ce que vous êtes allé chez David ? Mais David, c'est un naze. Restez chez Shaoul. Shaoul, il nous laissait tranquille. Ils ont commencé à faire rentrer le doute dans le peuple juif. Et ça, il n'y avait pas plus grave que ça. Là, il s'est dit Hachem. Et là, on va lire qu'est-ce qu'il a dit Hachem en prière. Les psaumes, c'est hors chronologique ? Non, okay. Pas hors chronologique. Quelqu'un veut nous lire les psaumes ? D'accord ? Vas-y, c'est Nilou. Oui, Sarfat. Ouais, en français. Alors, Nilou... Mais parfois, la traduction, elle n'est pas top. Ouais, je sais. Mais ça fait, on va l'expliquer comme il faut. C'est dur de comprendre. C'est pas, il y a des allusions. Alors voilà, on va tous les expliquer et les étudier ce soir. Donc, lis Passouk par Passouk. Passouk par Passouk. Pourquoi se démènent les peuples et les nations ? Agitent-elles de vains projets ? Ah là, là, il dit... Là, il demande à Hachem. Et là, ce qu'il fait, David, c'est quelque chose que normalement, on pose... Là, il réclame à Dieu une réponse. Il dit, pourquoi ? Comment il commence direct, le psaume ? Direct. Comment il commence le psaume ? Lama. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi se démènent les peuples ? Pourquoi les peuples, ils s'excitent, ils se démènent ? Et les nations agitent-elles devant un projet ? Comment ça comporte des contre-moi ? Devant un projet. Tu comprends ? Et là, il pose une question, pourquoi ?
Maintenant, c'est écrit que on doit pas dire Hachem pourquoi. Ouais. On ne demande pas ça, Hachem. On dit Hachem arrange ou alors qu'est-ce que j'ai fait de mal. Pourquoi? Parce que pourquoi c'est un peu comme si que c'est quoi le problème? C'est arrogant. Ouais, c'est ça veut dire Hachem. Peut-être que tu t'es trompé dans tes projets. Ouais, non, c'est arrogant. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est droit. Ouais, pourquoi ça veut dire toi, t'es, tu remets en question que Dieu à son niveau. Non. Parce que lui, il sait pourquoi. Donc, non, toi, on demande pourquoi, ça veut dire que. Ça veut dire que tu veux te mettre au niveau de Dieu qui, lui, sait pourquoi. Ça se trouve, il y a des choses que tu peux même pas imaginer. Bah, lui, il sait. Donc, toi, tu veux te mettre à son niveau en lui demandant pourquoi. Bah oui. C'est une sorte d'audace, tu comprends? Alors, il y a écrit comme ça, mes amis, écoutez, c'est important, que les tzadikim, ils ont le droit de poser la question pourquoi. Ah, si, mais bien sûr. Ils sont tellement gros qu'ils vont dire pourquoi. Non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est... Écoute, écoute. Les tzadikim, ça veut pas dire barbe, papillon, tout. Ça veut ouais. Dire... Non, on parle de tzadikim. C'est les gens que Akadosh Baruch Hu, il les aime, voilà, quoi. Exactement. Bien sûr. Parce que, bah oui, mais soit. Quand on dit tzadikim, c'est pas péjoratif. Faut pas que tu penses papillon, barbe et tout ça. Bah oui. Faut que tu penses homme. Non, mais à l'époque, le tzadik, c'est un homme. Voilà, c'est tout. Les barbes street. J'étais tout barbé. Une barbouche, t'as pas de rasé, t'as fait une sarrière en deux. Pourquoi? Ça ressemble à quoi? On raconte comme ça dans les livres, ça ressemble à quoi? De quoi? Que pourquoi les tzadikim, ils ont la possibilité de dire pourquoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un roi qui a plusieurs enfants. Et que la majorité de ses enfants, ils sont partis du royaume, et il n'en restait que un. Et d'un coup, quand le roi il fait ses projets avec ses guerres, il y en a deux, trois qui sont partis, ça fait des années, qui reviennent et qui disent « Mais papa, pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu es contre ça ?» Alors le roi il dit « Mais où t'étais? Ça fait 15 ans. Où t'étais? Ça fait 15 ans. Tu viens et tu dis pourquoi? Mais il faut rester à la maison pour que tu puisses comprendre. Voilà. Par contre, lui, mon fils, celui qui est resté, lui, il pose pas la question pourquoi. Mais quand lui, il va poser la question pourquoi, là, je dois lui répondre parce qu'il est là. Il écoute, il sait. On comprend maintenant pourquoi c'est que les tzadikim qui peuvent dire pourquoi Hachem, t'as compris? C'est ça le Inyan. C'est pour ça que David, ça a été le seul à dire Lama. Il commence son télim en disant Lama. Pourquoi Hachem, tu fais ce... À peine, je viens d'être roi, maintenant tu m'as désigné roi. C'est ça qui m'arrive. C'est ça qu'il dit. Il a peur et un jour il avait 15 ans, il avait peur en face de lui. Mais pourquoi tu fais ça pour lui? Ah ouais, mais quoi? Il y a que ceux qui restent à la maison qui sont bien demandés. Alors Yaakov continue le deuxième pasouk. Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et sont loin. Voilà. Regarde ça, les princes. Ça veut dire qu'il n'est pas venu tout seul, cet imbécile de Philistin. Il a appelé toute sa clique. Il a appelé l'ONU. L'ONU. Il n'a pas emmené juste les Philistins. Maintenant, c'est des mecs qui ne sont même pas dans ce territoire. Et il se dit, venez tous. Ouais. Maintenant, là et il a emmené des gens riches, Rosnim. Ah oui, il a amené des gens riches, pourquoi? Parce que c'est ceux qui donnent de l'argent, qui vont faire planter des plantations, qui vont faire... Donc, mais tout ça pourquoi en fait? Tout ça pourquoi? C'est important de savoir. Tout ça c'est pour faire mettre le doute chez le peuple juif. En disant, oulala, regarde. Il y a un tel qui est avec eux, il y a lui qui est avec eux, il y a ce riche qui est avec eux, mais nous qu'est-ce qu'on va foutre? On va être tout seul. En fait, c'était pas tout ça une guerre contre David. C'était pas contre David, c'était contre le peuple juif. Parce que ce que lui faisait embêter à ces Philistins, c'est que toute la majorité du peuple juif est venue désigner roi David. Et ça, ils ont dit, c'est pas bien. On dit pas que Amalek à l'époque, il venait pas des Philistins, il vivait pas là-bas. On dit pas qu'il vivait, même à hasard, on dit pas qu'il était c'est pas le premier Amalek. Amalek, c'est parce qu'à l'époque en fait. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. L'exil de Babylone, ils sont partis. Amalek, lui en lui-même, c'est le petit-fils de Esav. Exact. Et après, Amalek, c'est un fils de bâtard, fils de bâtard. Il est deux fois bâtard, Amalek. Il est né. Sa mère, c'était aussi sa sœur. Non. Ouais. Deux fois. Sa mère, c'est sa sœur. Ouais. On va pas rentrer dans ça, mais c'est comme ça. Je savais pas, mais dans toutes les prophéties, il y a marqué les 70 nations, à l'époque du Machiav, les 70 nations, les 70 nations, les 70 nations sur eux. Et ben en vrai, à l'ONU, j'ai vérifié, il n'y a pas 70 nations, il y en a 120 et quelques, mais par contre, il y en a 70 qui ont la parole catégorie numéro 1. Wow. Ça veut dire qui peuvent se permettre de. Wow. De ouais, j'ai vu ça. Le petit a parlé à 15 ans et qui a répété les 70 nations. J'ai vu les prophéties et tout ça. J'ai été voir dans l'ONU les trucs et j'ai un copain à moi qui connaît très bien l'ONU, l'histoire. Je l'appelle à chaque fois une question. Et il m'a dit oui, il y a 70 qui ont la parole, tu vois, ferme, c'est-à-dire genre
dans l'autorisation d'agir. Qui porte. Ah, ça c'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend du deuxième pasouk, comme quoi il n'est pas venu tout seul parce qu'il savait que lui tout seul on pourrait l'anéantir. Écoutez bien parce que c'est important, parce qu'après quand je vais expliquer ça pour aujourd'hui, vous allez voir comment ça fonctionne aujourd'hui, mais de folie. D'accord? Donc, il a emmené avec lui, pas juste les Philistins, il a emmené avec lui les gens de l'ONU, ça veut dire les riches, les politiciens, les gens qui pèsent lourd dans le truc. Tout ça pourquoi? Pour que le peuple juif se pose la question, peut-être qu'on a fait une taout, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on ne devait pas faire ça. Rien que pour les faire changer dans leur tête, c'était juste dans leur tête. Les faire douter. De leur faire montrer, tu sais, les guerres, c'est quoi, avant, comment ça se passait? Plus t'as de personnes, plus les gens ils ont peur, ils voient, c'était juste ça en fait, c'était un jeu de les faire un peu trembler, c'est tout, c'était que ça. Donc il a emmené avec lui tout ça. Et maintenant, là le passouk, qu'est-ce qu'il va nous dire? Brisons. Là le passouk qui va nous dire, c'était quoi l'essentiel problème qu'il voulait faire? Il voulait faire entre nous, c'est quoi? Ouais, comme ça. Brisons, il marque entre parenthèses, brisons, disent-ils entre parenthèses, leurs liens. Ouais. Rejetons loin de nous leur chaîne. Exactement. C'est quoi la chaîne qu'ils ont? Une chaîne, c'est quoi en fait? Une chaîne, c'est fait de fer qui se touchent un à l'autre. D'accord? Maillons. C'est des maillons que un se trouve à l'autre. C'est-à-dire, tu peux les enlever, chacun il a son. Une chaîne, c'est quand tu prends les choses et que tu les mets ensemble. La force du peuple juif, c'est que quand ils sont unis. Quand ils sont unis, ils ont de la force. Un bâtard. Alors, ce qu'ils ont dit là, ils ont dit non, on sait ce qu'on doit faire. On doit juste les désunir. Parce que dès qu'on les désunit, ils n'ont plus de force. Alors, on va rentrer chez eux, les désunir, faire le balagan. On va rentrer, essayer de faire des clans, on va essayer de faire des choses comme ça. Et tout ça, c'est une prière de David, hein, parce que David, il a tout capté. Il a dit, Hachem, pourquoi tu m'envoies comme ça, et des gens comme ça, que tout leur truc, c'est quoi en fait? C'est de les désunir. Et c'est quoi, pourquoi toutes ces choses-là? Il comprend pas, David Amalek. Il comprend pas. Mais là, à Kadosh Baruch Hu, c'est de là qu'on apprend que David, il avait une prophétie. Parce que là, Dieu lui a répondu. Là, qu'est-ce qu'il dit là? Vas-y, lis le psaume 4. Celui qui réside dans les cieux en rit. Le Seigneur sera aidé. Hey, David Amalek, il dit, mais en vérité, à Kadosh Baruch Hu, toi, tu es en train de t'asseoir, tu es en train de te rigoler, tu es en train de voir tout le monde, comment moi j'ai peur, comment eux, ils essayent de faire des conseils, etc. Mais toi, la chef, tu t'assois dans ton trône et tu ris. Pourquoi tu ris? Parce que tu sais que tout ce qu'ils essayent de faire contre moi, c'est ça qu'ils vont les faire tomber. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'ai même pas besoin de faire des guerres. C'est eux-mêmes qui se creusent leur trou. Donc, toi, tu t'assois en te disant, ah, lui, il est en train de faire ça. Tu sais, c'est comme ce qu'on dit, dis à Dieu ton projet et Dieu rigolera sur toi. Comment on dit? Il y a un mot comme ça. L'homme fait des projets, le bon Dieu rigole. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que les Philistins, ils commencent à faire des projets, et on va les faire comme ça, et on va les désunir, et on va. Et à Kadosh Baruch Hu, ils s'assoient, ils rigolent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se creusent leur propre tombe. C'est eux-mêmes. C'est-à-dire, David, il ne va rien faire. Alors? Puis il apostrophe dans sa colère et dans son courroux, il les terrifie. Voilà. Mais le problème, c'est comment on dit en hébreu az? Il y a écrit az. Alors? Nahon, il y a écrit az? Az et daber. Az. C'est quoi az? Alors? Alors, ça veut dire. Un jour viendra. Ouais, c'est... Ça veut dire. Maintenant. Il n'y a pas de notion de temps, justement. Alors, maintenant, le problème, c'est que ça ne se passe pas maintenant. Mais ça va se faire. Mais au jour où ça va se faire. Alors là, quand toi, Hachem, tu vas te dévoiler, tu vas leur faire montrer ta grandeur, combien ils vont trembler, ils vont avoir peur. Parce que là, Hachem, il ne sera pas pitié et miséricorde. Avec nous, le peuple juif, il est pitié et miséricorde. Mais pour les gens qui veulent détruire le peuple élu de Dieu, là, Kadosh Baruch Hu, il va s'habiller d'un habit de colère, et là, il va mettre le paquet. Et là, ça sera un Dieu que nous, on ne comprendra pas. Là, il va mettre la colère. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir dans mon trône à moi, et dire Hachem, et de foutre le balagan. 6. C'est moi, dit-il, qui ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ça, c'est David qui dit. Qu'est-ce qu'il dit David? Il dit David aux nations. Il dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Comment il peut faire ça? Comment vous croyez? Vous croyez que c'est moi qui est devenu roi parce que j'ai voulu, je me suis réveillé un matin, je suis devenu roi? Ouais, c'est ça qu'il dit. Il dit, c'est qui m'a désigné roi? C'est Dieu. Donc, quand vous voulez faire une bataille avec moi, c'est pas avec moi que vous faites une bataille. C'est avec Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a désigné roi. Alors, peut-être contre moi, vous avez peut-être de la force. Ouais. Mais là, c'est pas avec moi que vous combattez.
Là, c'est avec Dieu que vous combattez. Parce que moi, c'est Dieu. C'est ça qu'il leur dit. On va avoir un vrai niveau d'un ava pour dire ça. On va vraiment connaître sa place. Bien sûr. C'est pas Dieu qui parle. Non, alors David, il parle au nom de Dieu. C'est David qui parle. Ça veut dire, David dit ce que Dieu lui a dit. Ah bon ? Bah oui, puisque c'est la prière de David. Mais attends, on va expliquer plus tard comment ça fonctionne. Parce qu'en vérité, David, il se renforce lui-même. Parce que là, il est tombé, là. Parce qu'il dit, c'est moi qui ai consacré mon roi sur Sion. Le roi, c'est David. Oui. Oui, mais c'est David, dans sa prière, qui dit ça aux autres. Il dit, je vais vous dire ce qu'il m'a dit, Dieu. Dieu, il m'a dit comme ça. Ta, 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 ces paroles-là. Ce qui n'est pas marqué. Mais c'est ça que ça veut dire. Parce que, en fait, ça, c'est une prière de David, tu comprends ? Mais attends un petit peu, tu verras quand on va étudier vraiment, tu vas comprendre ça exceptionnellement, vraiment de folie. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Non, non, c'est pas ça. Je veux proclamer ce qui est une loi immuable. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Ah, alors d'abord il faut que vous sachiez quelque chose, que l'essentiel de tout ce psaume c'est ce passage là. Il ne verra pas, il ne verra pas. Le cotérette, comment on dit la cotérette, le... Le thème de ce psaume c'est ce passage là. Lequel? C'est l'alliance... Asapra el chok adnay omar alayp ni ata ni ayom yeleditir. La relation de fils et père. Non, c'est... Tu sais ce qu'il dit là, David? Il dit maintenant je vais vous apprendre quelque chose, Philistin. Il parle, en vérité à qui il parle là, David? Il parle au peuple juif. Il parle aux Philistins et il parle à Dieu. Il parle avec tout le monde. Et il dit, maintenant, je vais vous dire tous. J'ai pris sur moi comme coutume et comme loi de me le rappeler tout le temps que je suis le fils de Dieu. Et ça veut dire quoi que je suis le fils de Dieu? C'est que c'est Dieu qui m'a désigné, c'est Dieu qui m'a préféré. Et si je l'oublie une seule seconde, je perds. Le fêté. La phrase, elle est très simple. C'est que David dit comme ça, je prends sur moi la coutume et une loi pendant tous les jours d'essayer de me rappeler, de le dire à tout le monde comme quoi Dieu m'a pris comme son fils. Et le fait est que je me rappelle de ça, c'est à chaque fois comme si que je renais de nouveau. Je suis un nouveau-né. Juste le fait est de me rappeler ça. Ah ouais, c'est moi qui t'ai envie. Aujourd'hui qui t'a engendré. Voilà, aujourd'hui, il dit. C'est moi qui aujourd'hui t'a engendré. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais me rappeler que je suis le fils de Dieu, je suis né de nouveau. Et donc, il veut dire quoi? Quand il dit je suis né de nouveau, il veut dire quoi? Alors, d'abord, il faut savoir comme ça. Il y a écrit que le Mashiach, ça c'est un pasouk, qu'on dit Ani Ayom Yeledetira. Aujourd'hui, je suis né. Ça veut dire quoi aujourd'hui, je suis né? Ça, c'est qui dit ça? C'est le Mashiach qui dit ça. Tous les jours, le Mashiach, quand il se réveille le matin, il dit ça. Tous les matins. Aujourd'hui, je suis né. J'ai pas 20 ans, j'ai pas 30 ans. Aujourd'hui, je suis né. Et on va apprendre, Bezrat Hashem, quand on va étudier plus approfondi, dès qu'on va terminer l'explication, on va apprendre que ça, c'est une force énorme. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Bah oui, qu'on ne peut pas avancer sans ce point exceptionnel. De savoir... que ce qui est passé, c'est passé. Il est mort. Et l'essentiel, c'est que le futur. C'est que le présent. C'est que le présent. On parle des fautes aussi. De tout. On parle de tout. Parce que si vous allez voir, que ce qui nous hante toute notre vie, c'est quoi? C'est toujours le passé. C'est le passé et le futur aussi. Et le futur? Non, le passé principalement. Le passé et le futur. Le passé, tu te remémores. Ouais. Non, le passé, tu as les remords. Le futur, tu as les angoisses. Et le présent, tu vis le jour le jour. Donc, t'es plus dans la notion du temps. Non, c'est pas ça. C'est que le futur, tu te l'inventes. Ouais, c'est bien aussi. Et tu te dis, je vais être comme ça. Et à cause de ça, tu es pas toi-même. Tu le penses. Exact. Tu n'es toi-même que dans le présent, en vérité. Ouais. Donc, en fait, c'est du pipeau. Il n'existe même pas. Les deux, ils n'existent même pas. Et les deux te hantent. Et la grandeur de David, c'est que David, quand il se disait, toi Hachem, tu m'as choisi, juste le fait qu'il arrive à penser ça, ça le rendait tout neuf. C'était comme un premier-né. Il était premier-né. Et c'est quoi un premier-né? C'est quelqu'un qui a de la force, il a tout le potentiel de tout le temps. Il est tout neuf, il n'a pas été marqué par des mauvaises choses ou des trucs. Donc c'est énorme, mais là pour l'instant on étudie le pshat. Quand on va étudier Bezrat Hashem un peu plus, on va voir vraiment l'étude de tout ce psaume. C'est quoi un peu plus? C'est ce soir? Ouais. D'abord, on explique juste pour comprendre de quoi on parle.
Verset 8, tu lui dis. Alors, attends. Verset 8, on est. Ouais, verset 8. Demande-le-moi et je te donnerai des peuples comme héritage, les confins de la terre pour domaine. Voilà. Dieu, il a dit à David, David, ne te casse pas la tête. Juste demande-moi. C'est une promesse, hein. C'est un vrai pacte qu'il fait. Hein. Vraiment. Il lui dit juste demande-moi et je t'ai crève tous. Juste demande-moi, c'est qui les gens qui t'embêtent? Dis-moi juste les noms, je les tue tout de suite. Je te donnerai des peuples comme héritage. Ouais. Moi, ça veut dire quoi des peuples comme héritage? Ça veut dire je te donnerai des peuples. Il parle pas de son peuple bizarrement. Non, il parle pas de son peuple. Il te dit je te donnerai des peuples pour ton pour ta descendance. Quoi. Non, c'est pas ça qu'il dit. Pour les dominer. C'est exactement un roi, il domine. C'est quoi un roi qui veut? Il veut pas des descendances. Un roi, il veut conquérir. Bah oui. Donc en fait, ce qu'il lui dit, ah, c'est en cadeau, genre. Ouais. Je te donnerai des peuples en cadeau, genre. Ouais. Tu comprends? Un héritage, c'est ce que ouais. En t'as fait, un roi. David, c'est qui? Avenir, tu veux du vin? Dis-moi. Une question. Tu veux de l'orge? Non, mais. Aujourd'hui, ça se passe pas comme ça aujourd'hui. Quoi? Parce que c'est le peuple antique qu'il faut qu'il le dise, ça? Ou faut que. Parce que là, c'est pas le peuple qui le dit ça. Attends, Jacob. Pour l'instant, on apprend. C'est que David qui dit ça. Alors attends, pour l'instant, on apprend juste ce qu'il y a écrit. Ok. Pour comprendre. Parce que après, on peut pas comprendre. Alors, d'abord, on apprend ce qui a été dit. Après, tu vas voir comment on va expliquer les choses. Baisera ta chaîne. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Ok, vas-y, continue. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les broieras comme un vase de potier. Voilà. Là, il est mentionné deux sortes de coups. Tu le briseras avec le sceptre de fer. C'est quoi le sceptre de fer? C'est l'épée. L'épée. Ça veut dire, il y a deux sortes d'anéantissement. Il y a quand il y a une guerre, tu vas avec l'épée, tu fais la guerre avec l'épée, et tu les anéantis, ça c'est un. Mais il y a aussi un deuxième, c'est quoi? De les broyer. C'est quoi broyer? Broyer, c'est qu'il ne reste plus rien d'eux. Ça veut dire, David, il demande à Hachem, il dit, écoute Hachem, moi ce que j'ai besoin, c'est que mes ennemis, ça ne me suffit pas que je les anéantis. Parce que demain, ils vont se réveiller encore une fois. Alors moi, ce que je te demande la permission que pas juste je vais les gagner en guerre. Je veux aussi les anéantir que plus jamais ils rentrent en guerre. Que c'est terminé. Que c'est quoi qu'ils demandent? De les éparpiller comme le vent. De les éparpiller. Qu'ils n'ont plus de force. Et là, maintenant qu'il apprend et qu'il demande et qu'il dit à Hachem ce qu'il fait, là, il se retourne vers les rois et là, ils leur disent: et maintenant, ô roi, sachez comprendre, tenez-vous pour averti, juge de la terre. Voilà, là, il dit, écoutez, mes amis, vous avez la possibilité d'être des rois sages. Okay. Ça veut dire quoi, des rois sages? C'est que maintenant que je vous ai dit tout ça, que en fait, je suis le fils du roi, que quand vous rentrez en guerre, c'est pas contre moi, c'est contre Dieu, que moi, quand je fais la guerre, c'est pas juste avec l'épée, c'est je vous broie tous, il reste plus rien de vous. Alors, avant que je rentre en guerre, je vous apprends. Vous avez la possibilité d'être sage et de rentrer avec moi, de devenir mes copains. Ou alors vous rentrez en guerre avec moi. Mais choisissez. Mais sachez là où vous rentrez. Bah, quel moment il va leur dire? Là, maintenant, là, il parle c'est lui HM. Non, là, il parle au roi. Là, il parle au roi. Ve'ata Menachim. Là, au roi. T'as compris ce que je veux te dire? Là, ouais. Il parle aux représentants des Philistins, par exemple. Là, ouais. Là, ouais. Ou là, il est en train d'écrire. Non. Quand ils arrivent. Là, il n'écrit pas le psaume. Non, le psaume, c'est à la fin de sa vie qu'il les a écrits. Tous les psaumes, c'est à la fin de sa vie qu'il les a écrits, David. Ah, là, c'est pas dans le moment. Là, il le prie, là. Là, il le parle. Ah, oralement. Oralement. Et après, il s'est rappelé à la fin. C'est pas qu'il s'est rappelé, c'est du roi Hakodesh. Donc, dès qu'il a dit cette parole-là, après, il a redit encore et encore toute sa vie. Donc, c'est devenu par cœur. C'est une prière que toi-même, tu t'es créé. Moi, je croyais qu'à chaque épreuve qu'il a. Ah, ouais, c'est ça. Non, il n'a pas écrit. Il le priait. Il le priait. À la fin de sa vie, il a écrit que les psaumes qui nous parlera pour nous dans le futur. Parce que David, il a écrit des centaines de psaumes. Qui sont pas ici. Ah, ils ont été oralement. Mais pourquoi pas? C'est parce que ça nous parlait pas. C'était pas pour nous présent. Dans le monde là. Voilà. Mais les psaumes qu'il les a écrits, c'est les psaumes qui nous parlaient au futur. Donc ça veut dire que. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, on est obligé de trouver dans les psaumes où nous on se trouve. Parce que si on ne sait pas où nous on se trouve, alors comment tu peux dire les psaumes? Bien sûr. C'est pour ça que c'est important de savoir, de rentrer dans le psaume, de le vivre, et jusqu'à que, comme si c'est toi-même qui le dis le psaume. C'est toi-même qui le dis. C'est pour ça qu'on étudie les psaumes, c'est pour essayer de se trouver dans les psaumes. C'est énorme. Adorez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous en Dieu
avec tremblement. Ça, il dit au peuple juif. Il dit maintenant le peuple juif. Ah, il dit au peuple juif. Maintenant, il dit, je vous parle à vous. Ne croyez pas que ce que j'ai dit, c'est que les Philistins. Donc là, il parle devant un champ, devant tout le monde. Là, c'est en plein milieu de la guerre. Là, il est devant la guerre, il y a le peuple juif, il y a les Philistins et il y a Dieu tout en haut. Et là, tu sais, c'est comme le roi avant de rentrer en guerre. Oh, c'est énorme. C'est comme le roi avant de rentrer. Là, il a le... Ouais. Là, c'est le roi vraiment qui parle, mamache. Et là, David, il dit maintenant les Juifs, qu'est-ce que vous croyez? Que parce que vous êtes juste Juifs, alors c'est bon, vous êtes peinard. Il y a aussi des names, comment on dit, des conditions pour être Juif. C'est ça. Alors, il a dit, écoutez, mes amis, comme si vous êtes comme moi, c'est quoi moi? C'est que tout le temps, je me rappelle de quoi? Je me rappelle de Dieu, que je suis le fils de Dieu. Si tout le temps vous vous rappelez de ça, alors vous faites partie de moi. Mais si vous êtes stam des juifs, et juste parce que de père et de fils, alors vous allez être comme eux. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, servissez Dieu avec crainte. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, c'est le début, c'est le commencement de tout. Il faut avoir peur de Dieu. Et adorer. Et Vegilou Berada. Et même quand vous êtes dans des... Non, mais là, il mélange. Dans les deux phrases, il mélange la crainte et l'amour. Exactement. Parce qu'en français, il dit adorer Dieu avec la crainte. C'est pas adorer, ça s'appelle pas adorer. En français, il dit comme ça. C'est plus une autre chose. Vegilou, ça veut dire soyez joyeux. Comment il dit? Gilouille, adorer. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en Dieu. Ah, c'est plus. Mais Gilou, il y a plus un synonyme de simcha, de l'amour. Ouais, non, le simcha, pas d'amour. Comme ce qu'il a dit là. Là, il a dit réjouissez. Alors là, il dit David. Dans le deuxième, il dit le premier, il dit quoi? Il dit Gilou, il est le premier? Non, dans le premier, il dit Yvdou. Yvdou, ça veut dire servité. Yvdou. Yvdou, ça veut dire servier. Comment on dit? Obed, comme Obed, ça vient d'Obed. Ouais. Ah, c'est servir, c'est servir. Servez Dieu par crainte. Avec crainte. Et réjouissez-vous, comment il dit? Avec tremblement. Avec tremblement. Ça veut dire, il dit David. Il y a la crainte aussi, tremblement. Oui, mais alors c'est ça qu'il veut dire David. C'est-à-dire, même dans les temps où tu es bien avec ta femme et les enfants, etc., dans des heures, même là-bas, tu te rappelles de Dieu. Dans tous les cas, il faut se rappeler de Dieu. C'est ça qu'il leur dit à HM, David au peuple juif. Il leur dit, dans tous les cas, quand ça va bien et quand ça va mal. Tout le temps, rappelez-vous de Dieu. Comme ça, moi, je fais, comme ça, vous devez faire. Si vous ne faites pas comme ça, eh ben non, ça ne marchera pas. Tu comprends? C'est quoi la phrase encore? Quand tu donnes les explications, il faut relire la phrase. Okay. Servez Hachem avec crainte, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en Dieu avec tremblement. Donc avec tremblement, c'est-à-dire dans tout moment. Dans les bons, dans les mauvais, dans... C'est dans tous les cas, tu dois te rappeler de Dieu. C'est-à-dire que tu lui fais confiance. Ouais, parce qu'on a tendance, des fois, quand on boit un petit peu, ou alors quand on est sympa, qu'on oublie un peu HM, c'est normal. Non, même pas. Dans le travail, on oublie un petit peu HM, c'est normal. On a des épreuves dans la vie. Ouais, aussi. Aujourd'hui, on en a vu. On arrête Israël, on ne veut pas l'oublier. On est tout le temps. Il ne nous laisse pas tranquille. Ouais. Il ne nous laisse pas tranquille. C'est nous. Mais lui, il ne nous laisse pas tranquille. C'est lui par amour. Nous, on peut. C'est lui qui veut nous réveiller tout le temps. C'est le dernier. Alors, le dernier. Non, l'avant-dernier. Non, le dernier, t'as raison, ouais. C'est qui, alors, vas-y, le dernier. Vite, améliorez-vous, de peur qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte. Car bien vite, sa colère prend feu. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Comment c'est expliqué chez toi, Jordan? Adorer avec pureté, de peur qu'il ne s'indigne. Et pareil après. Eh ben, moi, je vais vous dire la vraie explication. Allez embrasser les mains des justes. Neshaku, bah oui. Bah oui, Neshaku, ouais. Neshek, Neshika. Embrasser, comment ils faisaient avant? Avant, on embrassait, même aujourd'hui, on embrasse la main du tzaddik. Ouais. S'il y a une sorte d'honneur. Alors là, il dit David, à tout le monde, là, il dit aux Philistins et aux Juifs, vite, choisissez vos camps. C'est qui que vous allez embrasser les mains de qui? Des Philistins, des riches, des politiciens, ou alors des gens comme nous? Maintenant, à la fin, comment il termine? Acheré, comme c'est bon. Heureux, celui qui a trouvé son clan. Il a écrit comme ça. Comment David, il a commencé le psaume tout au la début main. Non, tout début, le premier. Acheré, Acheré, heureux. Et comment il termine le deuxième? Acheré. Ça veut dire qu'en fait, les deux psaumes, le premier et le deuxième, en fait, c'est un seul psaume, en fait. C'est un seul psaume. Et à la fin, il dit... Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, le premier, c'est quoi? Est-ce que c'était dans la même période? Non, c'est pas le premier, le deuxième. Non. Le premier, on a expliqué que le premier, c'est pas un psaume. C'est un psaume. Mais c'est l'introduction des Tehillim, en fait. C'est pas une prière qu'il a faite. David donne les conditions
comment un homme il doit se conduire quand il est éliminé. Mais là, c'était une prière qu'il a fait oralement. Là, oralement, ouais. La première. Ouais. Et quand il est, il savait que c'était le premier psaume, ouais, c'est là. Ouais, ça, ouais. Ah, ça, c'était dans l'ordre. Ouais. Celui-là, c'était le premier. Le premier, c'est la condition. Le deuxième, c'est le deuxième. Et le troisième, alors, il sera le troisième ou on ne sait pas? Non, le troisième, c'est pas du tout dans l'ordre. Le troisième, c'est une autre histoire. Le troisième, c'est une autre histoire. Bon, Baruch Hashem, on a terminé plus ou moins... Le pshat. Le pshat. Non, le pshat. Mais non. D'accord ? Ok ? Il faut essayer de rentrer parce que là, on va essayer d'appliquer ce que Rabbi Nachman nous a dit, d'essayer de se retrouver dans le psaume, comment il nous parle actuellement. Parce que si on lit à l'époque, ça ne sert à rien. C'est comme tu lis un journal d'il y a 20 ans. Ça ne sert à rien de lire un journal d'il y a 20 ans. Toute l'histoire, c'est de prendre le psaume et de le faire concrétiser d'aujourd'hui. C'est du 2015. Alors, premier psaume. Premier psaume. Premier, non, le premier... Premier verset. Premier verset. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Ah. Pourquoi? Ça veut dire quoi, pourquoi? Ça, c'est surtout la question qu'on pose souvent à Dieu. Mais il redemande pourquoi on va. Non, là on revient au début. Là on l'explique maintenant. Là il a fait le psha, là on fait les mains assez en concrétisant le psaume. La concrétisation du psaume, c'est ça. C'est la question qu'on pose tout le temps à Dieu. Hein, maintenant là, mes amis, bon, il faut qu'on se déshabille et qu'on devienne l'homme qu'on est en fait. Là on va pas jouer un jeu. Là on parle de qui on est vraiment. D'accord? Et comment on se conduit tout le temps avec Hachem? Quand il y a des problèmes, quand on a des malheurs, les femmes, les enfants, la maison, la parnassa, la santé, malheureusement, on a toujours des petits problèmes à droite, à gauche, etc., etc. Quand des fois on commence à prier, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Pourquoi Hachem tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi? C'est la question que David lui-même il a dit. Pourquoi? Maintenant on ne pose pas pourquoi. Ou même si on lui demande pas, on a le droit de le dire. On n'a pas le droit, mais on le dit. On le dit. Voilà, on le pense. Pourquoi on le pense? Pourquoi on le pense? Parce qu'on ne parle pas HM. Mais quand on parle HM, alors on le dit. Le problème, c'est qu'on ne parle pas HM. C'est une obligation de le dire. Alors voilà, alors la question c'est comment ça se fait. Non, mais non, mais tu m'as pas compris. Dans ta tête. Non, mais dans nos têtes à nous. On le dit, on le pense. Non, on le pense. Pourquoi cette épreuve m'est arrivée? Pourquoi c'est moi? Non, parce que le fait de se le dire, c'était de trouver aussi une réponse. Non, non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut se plaindre. On veut pleurer sur notre sort. C'est un kiff de pleurer sur notre sort. On pleure. Et pourquoi Hachem tu me fais ça? Et pourquoi tu me fais ça? Et pourquoi tu me fais ça? David Ameler, il a dit: je vais maintenant parler comme vous, vous parlez. Pas comme moi je parle. Je vais faire le jeu de comment vous, vous faites ce jeu-là. Alors je vais dire à tout le monde une prière, mais style, c'est vous qui parlez. Et comment vous, vous parlez tout le temps, c'est quoi la première? Le premier psaume, la première prière qu'un homme y prie, là-bas. C'est-à-dire, moi je suis très bien, moi je suis très bien. C'est toi Dieu, pourquoi tu me fais ça? Et pourquoi tu me fais ça? C'est-à-dire quoi, pourquoi? C'est-à-dire quoi, pourquoi? Alors la réponse, elle est 2 mois après. Rakshu goim uleomim yegurik. Là, il mentionne deux personnes. Comment il dit en français les deux? Pourquoi se démènent les peuples et les nations? Ah, peuple et nation. C'est quoi la différence entre les peuples et les nations? La nation, c'est plus gros, c'est ça représente une groupe. C'est les goïms. Goïm et léomim, deux choses. Comme l'Égypte. Alors, non, alors les peuples, c'est quoi? C'est plein de gens de plusieurs pays ou de plusieurs races, ouais. Mais qu'ils n'ont pas une seule religion. Ah, comme l'Égypte. C'est des gens mélangés, c'est des gens. Ils sont pas religieux. On parle de gens qui ne sont pas religieux. C'est des gens qui sont pleins de nations, pleins de pays, genre comme la jeunesse aujourd'hui, qui n'ont pas de Dieu ou de choses comme ça, etc. Et qui se rassemblent. Et c'est quoi la nation? Les nations, c'est quoi? C'est des peuples qui ont une religion. Comme les musulmans, comme les chrétiens, comme les catholiques. Donc là, il parle de deux choses. Là, il parle des peuples qui sont venus. C'est quoi les peuples?
c'est un mélange de tout. Et l'autre, il parle de religion. C'est quoi ces deux choses-là? Alors là, écoutez bien, mes amis. Alors, en vérité, ce qui s'est passé à David, il se passe tout le temps avec nous. C'est qui ces peuples, ces nations-là, mes amis? C'est qui? C'est ce qu'il y en a. C'est ce qu'on a dans notre tête, mes amis. Les peuples et les nations, c'est tes copains. C'est les films. C'est les projets, soi-disant. J'ai un projet de devenir un tel et un tel. C'est j'ai besoin de gagner mon million pour arriver à ça. C'est ce que tu te fais rentrer dans ta tête, que par rapport à ce que tu fais rentrer dans ta tête, ça te désigne qui tu es. Et ça, ça rentre dans ta tête d'un coup. Et tu te réveilles tu te dis, c'est quoi le dernier mot du pasouk en hébreu? Ça vient du projet 20. Meshicho. Non, du premier. Ah, du premier? Du premier 20. Yegourik. Yegourik. C'est du projet. Du faux projet. Meshicho, vous savez? Il n'est pas la fin. J'ai vu. Je sais pas pour l'instant, je sais pas. Il dit quoi? Rick, ça veut dire quoi, Rick? Rien. Alors. Rick. On dit ça aussi dans Alain Schubert. Rick, ça veut dire. Rien. Vide. Tous ces projets-là dans nos têtes, toutes ces nations qui sont. Non, c'est quoi qu'ils veulent te dire? À la fin du compte, ils veulent te dire t'es un as, tu vaux rien. C'est ça qu'ils veulent te faire entrer dans ta tête. Tout le but de tout ce qu'ils veulent faire entrer dans ta tête, c'est que t'es un as. C'est ça, en fait. Pourquoi? C'est quoi, par exemple, quand on décrit aujourd'hui, si tu gagnes pas tant, t'es un naze. D'accord? Aujourd'hui, si t'as pas une maison comme ça, t'es un naze. Si t'as pas une bagnole comme ça, t'es un naze. C'est ton statut. Aujourd'hui, on te crée des statuts. Pourquoi on te crée des statuts? Pour que toi, à la fin du compte, tu te dis toi-même, je vaux rien, Rick. Toutes les nations, ils vont te dire, t'es un naze, tu vaux rien. Si tu es assez comme ça, là tu seras... Si t'as une belle meuf, alors là, oui, tu vaux quelque chose. Si t'as une belle bagnole, tu vaux quelque chose. Mais sinon, tu vaux rien. Et c'est ça qu'il dit David. David, il dit, mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Là, les Philistins, tout ça, c'est du pipeau. Mais du jour en jour, de tous les jours, de ce qui se passe, de toute la journée, c'est quoi le Ignan? C'est que toute la tête, tout le monde qu'il y a aujourd'hui, toutes les publicités, tous les films, tous les reportages... Tout ce qu'on parle dans la journée, l'actualité, les nouveautés, etc., etc. Tout ça, c'est à la fin du compte, c'est pour qu'on te dise, tu vois tout ça? Eh bien, toi, t'as pas tout ça. Donc, tu vaux rien, frérot. Et qu'est-ce qui se passe quand il te dit que tu vaux rien? Alors là, tu te dis, oh là là, je vaux rien. Je vaux rien. Et c'est qui dit ça, en fait? Ce sont les nations. C'est quoi les nations? Ce sont les mauvaises pensées que tu as dans ta tête. C'est le monde, c'est Obama, c'est Netanyahou, c'est tous les gens, qui ont des grands statuts, qui sont très forts dans leur truc. Et eux, parce qu'ils gagnent bien leur vie, ils ont une bonne vie sociale, et que toi, tu n'as pas cette vie-là, donc tu te dis, je suis un naze. Et ça me hante ma tête. Ça me hante ma tête. Et toute ma vie change à cause de ça. Parce que je me considère comme quelqu'un qui ne vaut pas. C'est ça mon problème. Et c'est pour ça que quand nous, maintenant, on va dire le deuxième psaume dès aujourd'hui, quand on va dire « Lamarakshu goyim ou leomim yegurik », en fait, sur qui on va prier? On va prier sur toutes nos pensées, sur tout ce qu'on a dans notre tête. Que en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est de me rendre tout petit. C'est de me rendre bête. C'est de me rendre quelqu'un qui ne vaut pas. Quelqu'un qui n'a pas. Donc, quelqu'un qui n'a pas, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? D'avoir. Ouais. Mais le problème, c'est que d'avoir dans ce monde-ci, matériellement, c'est de se créer un plus grand trou. Plus tu as, plus tu es en manque. Donc, tout le temps, tu manqueras. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Non, vas-y, continue. Non, vas-y. Et moins tu as, moins tu es en manque. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ce monde-ci, ça s'appelle le manque, ce monde-ci. Donc, quand tu as, tu prends de ce monde-ci, tu te crées un nouveau manque. Parce que imagine-toi, tu t'achètes une maison. Toute ta vie, c'est d'acheter une maison, ok? Donc, tu pries HM, je vais m'acheter une maison. À la fin, Dieu te donne la maison. Maintenant, tu ne peux pas rentrer dans la maison et la maison est vide. Donc, maintenant, il faut la meubler. Maintenant, tu ne vas pas la meubler naze. Il faut la meubler comme il faut. Donc, tu t'imagines combien de fois tu dois... Et après, quand tout est comme il faut, tu vas dire, je ne peux pas sortir naze avec des habits pourris. Il faut que j'ai de la classe. Et là, tu as besoin... Même dans ta maison, tu peux être un naze ou tu peux être un... Bien sûr. Mais tout est dans ta tête, en fait.
Ça ne s'arrête jamais. Ben, c'est ça. Ça après, c'est les chaussures. Après, c'est la voiture. Après, ta femme qui a besoin d'une voiture. Ouais. Et après, ta femme, elle est comme ça, elle doit avoir ça. Et les vêtements. Et les vêtements, et ça n'arrête jamais, Et le restaurant. Exactement. Ouais, ouais. Non, et même ça. Voilà que Thomas, il a écrit de lui donner ce qu'elle a besoin. Elle a écrit des grandeurs. Oui, mais pas des choses qui servent à rien. C'est quoi ces moyens? C'est quoi cette phrase? Elle avait dit de ce qu'elle veut. Elle va nous dire aucun de ses moyens. Quand tu dépenses d'argent, tu n'as pas. C'est marqué dans la de vêtir sa femme, je crois. Désolé, au-dessus de ses moyens, c'est marqué. Mais la Ketouba, c'est pas marqué, elle peut la kiffer. Au-dessus de la Ketouba, c'est un contrat. Ça veut dire c'est bonjour profond, ça veut dire faut la vêtir. Comme son père la vêtissait. C'est pas la peine de dire le mot au-dessus, c'est moins propre. C'est matériel. Parce que c'est l'effort que tu mets dedans, frère, c'est tout. Non, moi je pensais que c'était comme son père la vêtissait. Au-dessus de ses moyens, comme elle avait marqué au-dessus de ses moyens. Son père, tu fais pareil. C'est une robe que je viens de dire. C'est pour ça qu'il faut chercher une femme qui n'a aucun désir. Si t'as la vie en diant, tu l'as en diant. C'est pas la vie en rien. Bon, ça va choisir. On peut continuer, mes amis? On peut continuer, mes amis? Alors, on a compris le premier passouk. Le premier passouk, en fait, il nous parle de qui et de quoi, en fait. On parle de nous-mêmes. C'est pas que juste le Yetzer Hara. Des fois, ça peut être dans tout. C'est dans ton travail, dans tes copains. Quand des fois, un copain, il te fait montrer sa nouvelle Rolex. Lui, il pense pas qu'il fait du mal. Mais toi, ça te crée quoi maintenant? Tu vas pas dormir la nuit. Voilà, tu te dis, purée, c'est quand je vais avoir ma Rolex? Et pareil pour la bagnole. Et pareil pour les films. Les films. Je l'ai dit deux, trois fois, les films. Les films. C'est quoi, les films, en fait? Un rêve. Mais ça te fait montrer dans ta tête comment une maison elle doit être, comment une femme elle doit être, comment un homme il doit gagner son argent, comment il doit marcher, comment il doit parler, comment il doit fumer. Ça te crée la personnalité qu'un homme il doit avoir. Donc quand tu es pas comme ce film-là, tu te dis je suis un naze. Et ton rêve c'est quoi? C'est de devenir comme le film, de s'habiller comme ça et d'avoir ça et de fumer, etc. etc. Tout se fait par rapport au film. Donc en fait, tout c'est ça, en fait, c'est une éducation. Maintenant, tout, c'est ça l'essentiel de ce psaume, c'est le dernier mot, c'est le mot rik. C'est que tout ce qu'il essaye de te faire rentrer dans ta tête, c'est que t'es zéro. Et là, dans le chat, il veut dire... Il veut dire que les prochains... Non, il veut dire qu'Hachem nous connaîtra leur projet à eux, que eux, le SRA, que les nations, en réalité, qu'ils veulent nous embrouiller, que tout ça, la finale, c'est zéro, c'est rien, c'est genre. C'est ça dans le chat. C'est que leur projet à eux, c'est pas zéro. Il dit que toutes les guerres que vous allez faire, c'est pour rien, puisque c'est pas contre moi que vous faites. Ah oui, exact. Maintenant, deuxième verset. Les rois de la terre se soulèvent, les princes se lient ensemble contre l'Éternel et son nom. Bon. Mais Bernard, il parle bien des nations. Enfin, Bah oui. Non mais, c'est les deux. Ils on parle pas des nations, là on parle de nous, là on n'est rien. Là, on a dit que comment il faut lire les Tehillim en parlant de nous. Alors, c'est qui les nations? C'est les nations, ce qu'ils essayent de faire entrer dans ta tête. D'accord, et les peuples? Et les peuples, c'est les religions qu'ils essayent de te faire entrer dans ta tête. Les croyances, comme quoi, ça... Tu sais que les docteurs, c'est une religion. Hein. D'accord. De quoi? Les docteurs, c'est une religion. Les docteurs. La médecine. Pourquoi c'est une religion? Parce qu'aujourd'hui, c'est une religion, la médecine. C'est relié à Dieu? Mais non, mais c'est une religion, je ne parle pas. Aujourd'hui, c'est devenu un. C'est devenu une réunion, c'est une keila, comment on dit C'est plus le moyen de. C'est pas comme avant. C'est une secte. Mais ça, c'est pas le problème du docteur, à la limite, c'est le problème de ce. On va pas rentrer dans ça. En tout cas, c'est pas comme avant. Avant, c'était bien plus pur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des combines d'argent, de vendre, et de maladies, et les vitamines, et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est devenu une religion. Tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois faire, c'est de prendre tes cachets. C'est une religion. Et à 3 heures, je dois prendre tes cachets, là, tu ne dois pas manger. C'est un train de vie. Donc, en fait il parle de quoi? Des religions. C'est une punition de prendre des cachets. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas une punition que la personne elle-même, elle se punit. Elle s'inflige. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu peux te guérir sans avoir ces choses-là. Bien sûr. Sans cacher, même si tu as une maladie ou un truc cancer ou un truc comme ça. En vérité, tout commence depuis le départ. Pas dès que tu es malade. Dès que tu es malade, c'est encore prêt. Mais une fois que tu es malade, c'est fini. Quand il se garde, un homme qui est toujours joyeux, il tombe pas malade. Il meurt d'un coup.
Il meurt de rire. C'est plus dur pour les proches. C'est loin, c'est loin. Alors, qu'est-ce qui nous dit le deuxième passager? Le deuxième passager, il parle de la spiritualité. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la matérialité. C'est quoi la matérialité? C'est le fait que, malheureusement, on est hanté par ce monde et que ce monde nous vole notre cerveau, comment penser, comment voir les choses, etc. etc. Okay. Mais en vérité, le deuxième passage nous parle de la spiritualité. Oh là là. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est que même si un homme, il va se rapprocher de la Torah, même si un homme, il va essayer d'ouvrir les livres, même les grandes personnes, même toi, quand tu vas, comme on est hanté par ce monde que tu vaux zéro, même dans la Torah, tu vas te sentir que tu vaux zéro. Et les livres que tu vas ouvrir, tu vas voir qu'ils te parlent en te disant comme quoi je vaux zéro. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et toi, tu te dis, mais où je suis, moi, dans tout ça? Ah ben non, alors, je suis hyper loin. Tu vas entendre une histoire de quelqu'un, tu vas dire, oh là là, cette histoire. Et là, qu'est-ce que tu vas te faire? Tu vas dire, eh ben moi, je suis pas du tout dans cette catégorie. Maintenant, le mec, il se dit, ok, d'accord, HM, je suis rien. Maintenant, alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il dit, même les grandes personnes en eux-mêmes, et même moi, les grandes personnes en eux-mêmes, quand ils vont te parler, ils vont pas te parler de ton problème, qu'il te manque des choses. C'est pas ça qu'ils vont te parler. Ils vont te parler de tout. De tout. Ils vont te parler de comment il faut se conduire, ils vont te parler de comment il faut apprendre la Torah. Mais ils vont pas te parler du sujet essentiel. C'est quoi le sujet essentiel? C'est que tu vaux pas zéro, frérot. T'es un fils. T'es le fils de Dieu. Mais attends, ça, c'est les plus tard. Ouais, mais c'est vrai. Mais ce qu'ils vont te dire, même chez eux, c'est que tu vas te sentir rec. Tu vas ressortir d'une dracha, tu vas dire, purée, combien je suis loin. Et là, tu vas t'éloigner même de Dieu. Dans les livres, tu vas ouvrir des livres, et parce que tu es hanté des nations, que tu vaux zéro, même dans la Torah, tu vas te faire rentrer dans ta tête que tu vaux zéro. C'est quoi les nations? C'est encore non, là, dans notre cas, bah, ça peut être tous les nations. Les nations, c'est la télévision, c'est les acteurs de cinéma, c'est les statuts, le statut comme quoi tu dois gagner tant. Attends, moi je vois la télévision, je suis un fou de télévision, j'ai vu un milliard de films, c'est pas pour ça que je me dis je vais être nul, naze en Torah, je vais perdre confiance en moi. Non, c'est deux choses. C'est pas ça qu'on a dit. Non, non, mais là on est en train d'essayer de ramener à notre vie à nous. Oui, mais c'est pas ça que je dis. Parce que là, je trouve que les propos que tu dis, c'est poussé à l'extrême. Non, pas du tout. Est-ce que, donc moi je me mets à moi, quand je vois la télévision, je vois un film, est-ce que je me dis je suis là dans la vie? Est-ce que cette vie, je la veux peut-être, alors, à un moment je m'idéalise, mais est-ce que dans ma Avodat Hashem ça va faire du mal? Est-ce que quand je vais essayer de comprendre... Si tu dis ça, tu n'aurais même plus les films. Mon ami. Non, mais justement, ami, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est pour ça que ça m'interpelle, peut-être que les... Laisse-moi te dire quelque chose. Ça va faire du mal, tu vois ou pas, je veux... Laisse-moi te dire quelque chose de très, très, très important. Au fur et à mesure de cours que je donne, j'ai fait attention à quelque chose. J'ai fait attention qu'avec toutes les paroles que je parle, il manque un point essentiel. Que ce point essentiel, Rabbi Nachman de Breslev est venu dans ce monde pour le crier haut et fort. C'est déjà la première chose à dire, c'est de dire au malade qu'il est malade. Parce que si le malade en lui-même, il ne sait pas qu'il est malade, alors il n'y a rien à faire. Maintenant, ce qu'il a fait Rabbi Nachman en premier, c'est de dire, mes amis, d'abord, sachez que vous êtes très malade. Maintenant, déjà ça, c'est un travail énorme d'y croire en lui qu'on est malade. Parce que tu prends un homme qui est normal, tu viens, tu lui parles de ça, de ça, de ça. Il va dire, moi, Baruch HaShem, j'ai fait tchouva. Hein? J'ai fait tchouva, moi. Je suis Baal tchouva. Avant, je ne faisais pas Shabbat, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, là, Rabbi Nachman, pour arriver à la tchouva, il faut faire ça, pour faire... Ça y est, moi, je suis pas la tchouva. Mais mes amis... C'est trop. Mais on ne parle pas de ça. Tchouva, c'est d'être complètement engagé. Ce n'est pas un statut que tu te mets, voilà, je suis pas la tchouva, avant, j'étais comme ça, aujourd'hui, je suis comme ça. Ouais. On a un problème, c'est qu'on est tellement englouti dans la boue, c'est qu'on a pris goût à la boue et qu'on sait pas qu'on est malade. Plus on tombe, plus on se fait une couche,
la peau de la pied, d'accord ? La peau du pied. Tu peux éteindre une cigarette sur la peau de la pied. Mmh. Parce qu'elle est morte, c'est de la peau qui est morte. On, tout notre corps est comme ça. Spirituel, notre corps est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, aucune avéra ne nous atteint, en fait. Ça nous fait plus mal, plus chaud, plus froid. On est tellement planté, on est tellement dedans. Ça y est, on est ancré. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé, ça ne nous fait plus rien. Donc déjà, il faut l'admettre qu'on est des malades. Et ça, c'est dur à le savoir, mais il faut le savoir. Donc déjà, sache une chose, et ça, tu ne vas pas me dire que non, qu'automatiquement, quand tu vois des films ou quand tu vois des choses comme ça, ça te rend dans ta tête une envie que ta femme, elle soit belle comme celle que tu as vue. Ah, mais ça, c'est... Alors voilà. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Donc ça fait de l'effet. Ça, je suis sûr. Alors voilà. Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas si... Maintenant, ce qui se passe... évident non, que je vais me dire, parce que là, il y a des... C'est fort, quoi, de dire que je vais pas comprendre des livrets. C'est pas que c'est évident, mais pas, c'est que ça arrive, que tu le veux ou que tu le veux pas, ce qu'il t'entend dire. Sans que tu le saches, toi, il y a des choses que tu vas pas te permettre de faire, parce que tu vas, c'est-à-dire ton cerveau, il va te le traduire, je suis pas capable de le faire dans le judaïsme. Ou alors j'appartiens pas à ça. Est-ce que tu crois que t'es capable de finir tout le chasse? Non, mais là, c'est, on parlait pas de ça. Mais bien sûr qu'on parle de ça. Non. Il parlait de moi. Non, mais je suis d'accord. Non, mais là, c'est encore plus simple que ça. C'était de dire, même un cours, je vais pas le prendre. Même ça, je peux pas entendre parce que je suis pas au niveau, je peux pas faire. Donc finalement, je lâche tout. Non, c'est parce que toi, tu as pris ça à ton extrême à toi. Ah, si. Non. Si, c'était. Je sais pas, moi, j'ai pas compris comme ça. C'est pas ça que j'ai dit. Non, sinon, qu'est-ce qu'on est là? Peut-être pas. J'ai peut-être extrapolé. Un café, tiens. Non, donne-lui. Mais on n'est pas perceptible au message. Un café. On n'est pas perceptible au message parce que je suis un naze. Non, comme je suis non, naze, c'est un service. C'est, ça se fait de étape en étape. Ça veut dire dans ta vie personnelle, matériellement, tu vas te dire que tu vaux zéro parce que j'ai pas. Non, peut-être qu'on se dit pas. Non, c'est ça que je dis. Oui, mais il y a des moments où tu vas te le dire automatiquement. Il y a des moments où quand par exemple tu auras un besoin, d'accord, d'un coup tu as un besoin. Quand on a, de toute façon, quand tu dis qu'on a un besoin, c'est qu'on est en dessous de puisqu'on a un besoin. Oui. Je parle de. Est-ce que tu bien. Je parle. Est-ce que tu entends ça? Quand par exemple il a dit quand on a un besoin, tu as toujours besoin. Il y a des milliards de fois, je me suis trouvé zéro. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Maintenant, ce stade-là. Ça, je dis pas. Maintenant, ce stade-là. Je me trouvais le lendemain rongé de remords. Tu sais quoi? On va prendre un exemple d'un enfant, ok? Un enfant qui va à l'école. Il n'y a pas de problème, mais si tu veux, après, je repars. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, je repars. Il faut que je redécolle. Je ne peux pas rester en bas. Nahon, bien sûr. Ok, donc ça, peut-être ses propres juifs. Non, je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans ton cerveau. C'est que quand tu vas commencer à t'avancer dans le service divin, et tu vas te reparer, te prendre. Le premier croche-patte que tu vas avoir, tu vas dire je suis zéro, j'arrive c'est pas. C'est fort, mais c'est vrai, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que dans ton quotidien matériel, t'es zéro. Alors pourquoi que ça va marcher dans mon spirituel? Et la preuve, je suis tombé. Donc tu dis, bon alors je suis un genre de mec qu'il va pas plus que 10% dans les spirituels. Et tu te laisses comme ça toute ta vie. Ouais, genre, moi j'avance comme ça. Parfois, je me dis, moi j'avance comme ça. Toute ma vie, j'ai avancé comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai comme ça. À ton rythme, tu vois. Non, mais bon, en vrai, c'est comme ça. Bah oui, c'est trop loin à ce moment-là. C'est du vent. Non, c'est pas les films à l'époque. C'est pas du vent. Je dis juste que si tu voulais vraiment arriver au bout, tu pourrais le faire tout de suite. Donc quand tu dis, moi j'ai dit, quand tu te dis, il y avait une armée devant toi, si tu crois que c'est pas lui le roi, il a dit, il a attendu 7 ans. Attends 7 ans, toi, avant de pouvoir manger. En face, tu la comprends. C'est ton esprit qui veut pas la comprendre. Reste 7 ans en vie, sans parce qu'eux, ils disent, si tu crois 100%, ma vie est changée. D'accord. Il a tenu 7 ans sans manger. Tu veux pas changer. De nos jours, on veut pas changer. Aujourd'hui, on va à la Macolette, on va à boire. Oui ou non? Mais attends, mes amis, venez, on avance un petit peu parce qu'après, on va perdre le. Mais maintenant, attends. Ouais. Mais maintenant, dans le psaume, regarde bien Yaakov, en hébreu, le verset 2, c'est quoi les derniers mots? Al-Hashem. Sur son Mashiach. Sur Dieu et sur son Mashiach. Ça veut dire en vérité, ces grandes personnes-là,
les grands rabbins qui veulent essayer de t'aider et de... Un grand problème. Mais en vérité, eux, ils t'aident pas parce que même eux, ils te font montrer que t'es un zéro. Et même dans les livres, tu vois que t'es c'est zéro. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais ce qu'il dit David, là ? C'est le problème de cette semaine, t'as tout ça. Là, il dit David, plus que ça. Il dit, tout, ils vont tout faire pour t'éloigner de deux choses. De Dieu et du tzaddik. C'est le tzaddik. Ça veut dire, si tu lâches Dieu et le tzaddik, je te laisse tranquille. Reste juif, hein. Tu vas parler de Torah, tu vas parler de tout. Mais tu vas pas parler que le désespoir n'existe pas, que ça fait rien si je suis tombé, et que je vaux tout parce que je suis le fils de Dieu. Ça, surtout, je vais pas en parler. Parce que c'est qui parle de ça? C'est Dieu et le tzaddik. Mais Shiro, en singulier, pas en spirituel, en pluriel. Il y a un seul tzaddik. Ah oui. Il y a un seul tzaddik. J'avais un paquet là. J'avais un paquet là. Il y a un seul tzaddik. J'avais un autre paquet aussi, c'était pas une autre. Il y a un seul tzaddik qui parle de ce sujet-là. Un seul. Comme quoi, rappelle-toi tout le temps que tu es le fils de Dieu. Rappelle-toi tout le temps que tu dois être joyeux. Rappelle-toi tout le temps que le désespoir n'existe pas. Que c'est valable pour toi aussi. Et que tu peux encore tenir. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, tu sais quoi? Rapproche-toi de la Torah, mais ne te rapproche pas de ce tzaddik-là. Ils vont tout faire pour t'éloigner. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Philistins? Ils ont dit, nous, on n'est pas contre vous, les Juifs. Nous, on est contre David. Si vous repartez chez Shaoul, on n'a pas de problème, nous. Mais c'est chez David qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que David, qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Le désespoir n'existe pas. Exact. David, il dit, faut être joyeux. Donc aujourd'hui, les gens qui t'éloignent de Breslev, c'est les Philistins aujourd'hui. C'est des gens qui te disent, n'allez pas écouter Rabbeinu, puisque Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Le désespoir n'existe pas, mes amis, vous êtes très chers aux yeux de Dieu. Vous imaginez de quoi on parle? C'est que tout ce qu'ils voulaient, parce que encore une fois, les Philistins voulaient nous éloigner que de David, mais pas de Shaoul. Mais Shaoul, c'est pas le désigné. Exact. C'est beau. C'est fort. C'est puissant. Bravo. Verset 3. C'est bouillant. C'est bouillant, frère. Hein? Je paye cher. Quoi? Faut pas quoi? Ils ont disent-ils leur lien. Faut pas quoi? Faut pas écouter Bressel. C'est loin. Il y a pas. Brison distille leur lien. Il veut briser la raboudka. Ah, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il dit dans le troisième verset? Je vous expliquais dans le chat, c'était quoi? C'est que une chaîne, elle est formée de plusieurs maillons. Comment? Maillons. Et quand ils sont séparés, c'est rien. Maintenant, leur force, c'est quand ils sont ensemble. C'est quoi en fait ça? C'est que en fait. Comment on arrive à être tous forts, tous ensemble, c'est quand on reste amis. Exact. Unis. Amis unis. Pas, il y en a un qui est plus grand que l'autre, un qui est plus bas que l'autre. Parce que chez Breslev, comment ça fonctionne chez Breslev? Chez Breslev, on dit En Gdolim, En Ktanim. Kulanu, Khaverim. Il n'y a pas grand, il n'y a pas bas. On est tous des amis du même niveau. Exact. Alors, et ça, c'est quoi la force? C'est que quand on est tous du même niveau. C'est pas des Marocains. Hein. Quand on est tous du même niveau, alors on forme une chaîne. Alors on forme une chaîne. C'est le pays, le seul pays. Mais quand il y a des grands, des bas, des trucs, alors on ne peut pas former une chaîne. C'est que comme ça qu'on peut attirer le tzaddik quand le tzaddik est avec nous. Rabbi Nachman, il a dit comme ça. Vous voulez savoir quand vous voulez m'attirer? Quand vous êtes ensemble, vous vous aimez, je viens vers vous. Bah. Voilà, c'est ça. C'est que là-bas que je viens vers vous. Là, Rabbeinu, il est là. Il est dans la maison de David, là. Mamash, entre amis, quand on s'aime, Rabbeinu, il a dit, il n'y a que ça qui peut me faire descendre. Moi, je suis sensible à ça, il dit Rabbeinu. Quand il y a des bons amis qui s'aiment et qui parlent de moi, tout de suite, je descends. Tu comprends? Et c'est ça qu'il dit. Il dit, quand on est des amis tous, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on forme une chaîne. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent foutre le balagan dans les amis. Ce monde-ci, qu'est-ce qu'il veut te faire? Il veut te faire foutre des problèmes. Voilà, lui, je suis contre lui. Ma femme, il s'est fâché avec sa femme. Tiens, des bêtises de rien qui vont rien. Mais tout ça, c'est en fait pourquoi? C'est pour nous désunir. Ouais. Alors maintenant, tous ces problèmes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? J'ai pas vu qu'il y avait ça. Alors, verset 4. Ah non, c'est pas fini. Verset 4. Non, brisons, disent-ils d'Orléans, rejetons loin de nous leur chaîne. Ouais, c'est ça. Voilà.
Redis leur chaîne, si je vois comment tu peux dire. Nous, alors, on a expliqué qu'une chaîne, c'est quoi? Non, mais de qui il parle? Là, il parle de nous. Là, David, il dit comme ça. Écoute. D'ailleurs, en français, je te parle. Ouais. Rejetons le roi de nous leur chaîne. Ouais. Là, tu vas me dire c'est quoi leur chaîne? C'est leur amitié. Leur amitié, c'est une fausse amitié. C'est une amitié pour de l'argent, pour de l'honneur. Okay. Alors, eux, ils veulent te faire montrer que c'est ton ami, mais en fait, c'est pas ton ami. Okay. Tu comprends? Merci. Maintenant, la vraie amitié, c'est quoi? C'est quand on parle de Dieu, on parle du tzaddik. Alors là, on s'aime, on est ensemble, on forme une chaîne, personne ne peut contre nous. Alors là, le tzaddik, il vient, et là, on a de la force. Mais quand il y a des fausses amitiés qui rentrent, pour de l'argent, soi-disant, ou pour ça, ou pour ça, ouais. Ça, c'est rien, ils foutent le balagan, et c'est ce qu'ils ont fait, les Philistins. Les Philistins, ils sont devenus, soi-disant, nos copains, pour faire tout ça, quoi, des amitiés, pour enlever l'amitié. Okay. Alors, il dit dans le verset 4... Celui qui réside dans les cieux en rit, le Seigneur sera avec eux. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il est en haut dans le ciel, il s'assoit, et il rigole, il rigole, il rigole. Nous, en bas, on pleure. Pourquoi? Parce que c'est quoi qu'en fait qu'on dit, nous? Nous, qu'est-ce qu'on crie à Dieu? On dit pourquoi? Pourquoi? Et vous savez, c'est très dur. Hein, parce que c'est dur parce que c'est... Je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas si vous avez eu ce... Okay. Mais quand des fois, tu as un problème et que tu pries Hachem, et ça fait des semaines et des mois, et tu vois que ça ne bouge pas, tu te poses des questions, là. Là, tu dis lama, là. Là, tu dis un vrai lama. Et lui, rigole. Et lui, rigole. Et lui, il rigole. Lui, il rigole. Hachem. T'imagines? Mais tu t'imagines que tu te poses la question lama, mais attends, ça fait mal, frérot. Tu te dis, mais où il est, Hachem? Mais je comprends pas, t'es sourd. Et lui, il rigole. Et Akadosh Baruch Hu, il rigole. Avec toi, toi. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il rigole? Alors, je vais vous dire un chidouche du fils du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait qu'un seul fils. Son fils, il s'appelait Rabbi Tzvi. Rabbi Tzvi, c'était un tzaddik caché. On connaît rien de lui. Rien. C'était un vendeur de vin, c'est tout ce qu'on sait. Mais c'était un tzaddik de folie. Il y a un seul chidouche au monde qui l'a dit. Et je vais vous le dire ce soir. Ouais. Il a dit comme ça. Vous connaissez les combats de coq? Ouais. Les combats de coq, c'est des gens, ils viennent, ils mettent le pari sur un coq. Et le plus beau, c'est quoi? C'est que tout le monde, ils sont autour et ils voient le combat de coq. Maintenant, imaginez-vous le coq. En un seul coup, il tue le deuxième coq. C'était pas beau à voir. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on aime quand ça prend du temps et qu'il prend et que l'autre, il reprend? Comme un combat de boxe. Ouais. Quand le mec, il vient, il donne un uppercut, le mec, il tombe KO, j'ai rien foutu dans ça, c'est ouais. Pour ça. C'est pour ça que j'ai payé de l'argent. Moi, je peux voir. Matin pour gagner un combat, il a fait un KO, il a dit, il est fatigué, il a dit, Et c'est quoi donc en fait le kiff? C'est quand le combat il est dur et qu'il y a 16 rondes et que ça continue et tu vois comment le mec il combat. C'est ça notre kiff. Ouais. Il dit dans le ciel à Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas voir les gens tout de suite des tzadikim ou tout de suite des rechaim. Il dit c'est pas ça. Il dit attends, viens, on leur met une petite estable là. Et ils voient Hachem comment bam, on tombe, mais on se réveille, on se remonte. Et le kiff le plus grand de Dieu, c'est que quand on tombe, on se remet debout tout de suite. Et encore on tombe et on se remet debout. C'est ça son kiff, c'est pas de voir que tout fonctionne. C'est pas qu'un seul KO, un seul KO, on n'a rien foutu. C'est incroyable. C'est quoi ce ridouche là? Tu t'imagines? Et c'est ça, quand il y a écrit Dieu, il s'assoit, il rigole. Comme quand t'as un enfant qui tombe comme ça, où tu veux pas avoir de la peine pour lui, tu rêves tout, tu rigoles comme ça. C'est ça qui écrit que Dieu rigole. Pourquoi il rigole? Parce que il dit Hachem, ce que vous savez pas, c'est que plus le monde spirituel, ça veut dire dans ce monde-ci, plus ce monde, il est dur pour vous, plus chaque petite chose que vous faites, ça court des milliards et des milliards de kilomètres parce que ça fonctionne en proportion. Ouais, on est fort. Donc, plus ce monde, il est dur. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hachem, en fait? Il dit, les Philistins qui vous hantaient votre tête, plus ils vous hantent, plus c'est vous qui devenez des tzadikim, en fait. Plus le Yetzer Hara, il est en toi, plus t'es un plus grand tzadik. Parce que plus il est en toi et qu'il essaye de te hanter, plus le moindre chose que tu fais bien, ça court des milliards de kilomètres. Donc, en fait, eux, ce qu'ils savent pas, c'est que grâce à eux, vous devenez des tzadikim. Mais il n'empêche que c'est tout, que quoi qu'il arrive, c'est mieux de pas fauter. Mais va ça veut dire que quoi qu'il arrive, si on faute, quoi qu'il arrive, même mais si va on va même si on c'est contrôle, comme ce truc. C'est comme si tu dis dans la si on fait la faute, c'est noté. C'est compté. Bien sûr. C'est comme si tu dis dans la machine, il aurait dû ne pas fauter. David, mais je te pose une question. C'est pas David. Ce que tu dis, c'est 100% vrai. 100%. Mais moi, je te parle de... En fait, c'est tellement subtil et ça se joue tellement à un millimètre. C'est fin. Du fait que c'est fin, c'est hyper fin. Du fait que
T'as pas voulu fauter, mais t'as fauté, mais l'effort il est là, mais en fait, par rapport à l'autre qui a jamais fauté, mais en vrai. C'est-à-dire, c'est vraiment. Eh oui, c'est très fin. C'est mathématiquement au millimètre de. Exact. Et c'est pour ça qu'Hachem il fait les choses au millimètre. Eh ouais. Les choses au millimètre. Et la planète elle tient comment? Au millimètre. Avec le grain de sable qui ne va pas bouger, que tout a été compté, etc. Et lui il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'il y aura la libération. Et une fois que tout sera réglé, exact. Le compte. Exact. Le vrai compte. Maintenant, pourquoi il nous dit ça, David, que Dieu il s'assoit et qu'il rigole? Parce que quand on sait ça, quand on est dans la misère, alors ça nous apaise un petit peu. Parce que ça nous rappelle qu'en fait, tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu. Contre Hasbé Shalom, quelqu'un qui est malade. D'accord. Sa vie est en danger, le pauvre. Alors, il est complètement désespéré. Il prie, Hachem, il n'écoute pas, Kavir Rol. Il se dit, mais attends, je suis désespéré complètement. Et là, dans David, il vient, il lui dit, tu sais, frérot, tout ça, c'est juste une tentation. On essaie juste de te tester, c'est tout. Hachem en haut, il rigole parce qu'il veut savoir comment tu vas fonctionner. Si tu prends ça vraiment au sérieux, ou alors tu sais que c'est un jeu. C'est un jeu. Et donc? Donc ne prends pas cas. Ne crois pas que c'est une pierre qui t'alourdit, que tu ne peux pas en passer. C'est rien, c'est un petit truc. Tu sais, c'est comme un enfant quand il tombe, il croit que son monde est complètement détruit. Va lui expliquer que son monde n'est pas détruit. Tu peux pas. Nous, c'est pareil. Non, mais un malade, il sait qu'il... C'est mais non, mais ça n'existe pas, de savoir qu'il va mourir. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai dit que les docteurs, c'est une religion. Parce que les docteurs, aujourd'hui, ils te disent qu'est-ce qui va mourir, qu'est-ce qui va pas mourir. C'est pas ça leur travail à eux. Leur travail, c'est de guérir, c'est de pas dire combien de temps il te reste. Bien sûr. Tu comprends? Ils savent pas. Et ils savent pas. C'est ça le problème, c'est ça que j'ai. C'est pour ça que je dis. Ça fait 40 ans qu'ils l'ont tué. Les auteurs, ils ont basé dessus. Dans la vie de ma mère. Il a mouru avant de venir. Il est né il y a 500 ans avant le sportif. Waouh, il est très tard, mes amis, on n'a même pas. Non, c'est la moitié. Bon, attends, venez. C'est la moitié. Lui, l'apostrophe. Ouais. Dans sa colère et dans son courroux, il les terrifie. Alors Dieu, il promet. Là, c'est une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est quoi? C'est le seul but. La promesse de Dieu, c'est que toutes les personnes qui nous ont tous hantés, spirituellement et matériellement, Akadosh Baruch Hu va s'habiller de sa colère et il va les déchirer tous. Il va tous les faire peur. Donc sache que c'est juste momentané. Tous les problèmes, c'est momentané, c'est une histoire de temps. Parce que Akadosh Baruch Hu, il va venger ta vengeance à toi, personnelle, pour tout ce qu'ils nous ont fait. Continue. C'est moi, dit-il, qui ai consacré mon roi sur Sion et ma montagne sainte. Voilà, là, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit sur David. Il dit, c'est moi qui ai désigné David comme le roi. Ça veut dire quoi? Dieu, il dit à chacun de nous tous, il dit, j'ai créé mon monde et je me suis dit que mon monde n'est pas parfait, il manque quelque chose. Et quand je t'ai vu, toi, je me suis dit, avec toi, mon monde sera parfait. Comme ça, il a dit sur chacun de nous. Tu t'imagines de ça? Sur chacun de nous, il a dit, parce qu'il a écrit que Dieu créait des mondes et qu'il les détruisait, il a écrit. Pourquoi il les détruisait? Parce qu'il y avait des manques. Et c'était qui les manques? C'était nous. Nous, chacun de nous tous. Jusqu'à qu'il nous a tous trouvés, il a dit, maintenant, mon monde est parfait, voilà, ils sont là, mes enfants. Et David a dit, quand je me rappelle de ça, alors, ça vaut tout, ça vaut tout. Donc là, il dit, Dieu m'a dit, c'est toi qui vas être sur le Tzion, sur Yerushalayim. Tu vas être sur Jérusalem, ça va être toi le prince. Et David, il dit, quand je me rappelle que Dieu m'a dit ça, que le monde ne peut pas être sans moi, et la preuve, c'est que j'y suis, donc qu'est-ce que j'ai peur de quoi? Mais le problème, c'est que ça... Les autres ne veulent pas que je me rappelle de ça. Donc en fait, c'est une guerre de tout le temps se rappeler ces choses-là, en fait. C'est pour ça qu'il dit ça, après, juste après. Après, il dit quoi? C'est pour ça qu'il dit ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Je veux proclamer ce qui est une loi immuable. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Ça, c'est l'essentiel de tous mes amis. Tout est là. Il lui a dit texto ou quoi? Hein? Il lui a dit texto? Hachem, il lui a dit texto, je t'ai engendré? Ouais. Texto. Un texto. Mais David. Un texto. Tu sais ce qu'il dit David?
Il dit, David, un homme, un vrai, pas une fillette, un vrai mec, c'est quelqu'un que chaque instant il dit, aujourd'hui je suis né Hachem. Ça, c'est un vrai homme. Qui fait pas attention à son passé, qui fait pas attention à son futur, qui vit que le présent. C'est dur. Hein. C'est dur. Quoi, mais tout ça, est ça, là. Ça, tout est là, frère. Tout est là. Parce que David, il dit, j'ai pris ça comme coutume. Non, on croit qu'on a 100 ans. Eh ouais. On croit qu'on a 100 ans. Moi, demain, je me réveille, je crois que j'ai 70 ans. Je me dis pas, je suis né aujourd'hui. Eh ouais. C'est tout le contraire. Moi. Exact. Mais nous tous, c'est nous tous. Et il dit, David, pas juste, il dit. C'est il dit, une loi je vais prendre immuable. Exactement, une loi immuable. Immuable, c'est-à-dire que... Et il dit, je vais le dire à tout le monde. Je vais le dire à tout le monde. Comme quoi, tous les jours, je suis né de nouveau. Je suis un nouveau-né. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il n'y a pas. Il n'y a que le présent. Il n'y a que ça. Et si on parle de ça, beaucoup, on peut trouver qu'en fait, on se ment parce qu'en vérité, le temps n'existe pas. Le passé, il est mort. Le futur, il n'existe pas. Donc, en fait, il y a quoi comme temps? Il n'y a que le présent. Donc, en fait, c'est que le présent que tu es né. Donc, il dit, David, tout ce qui me sauve à moi, c'est que le fêté, du fêté que tous les jours, je pense comme quoi aujourd'hui, je suis né. Il n'y avait rien avant, auparavant, il n'y avait rien du tout. Et il dit, David, que celui qui pense comme ça, c'est que lui qui pourra toujours monter. Parce qu'un nouveau-né, il a le potentiel de tout. Il a le projet de tout. Il est tout, il a toutes ses forces, il a tout. C'est toujours parce que ah j'ai fait ça, je me rappelle que quand j'ai fait non, ça, j'ai pas réussi. Le tzaddik, c'est celui qui le temps il passe sur lui. Le temps il est tellement en ave que il a même plus le son temps qui passe sur lui. Donc il est plus dans le futur, dans le passé, dans les temps. Tout il prend au présent. Donc le temps il passe sur lui et le temps il passe tellement sur lui qu'il est au-dessus du temps. C'est lui qui domine le temps. Et la dernière fois on disait de celui qui chantait Modéani. Ouais. Mais quand et ben quand on arrive si demain t'arrives à te dire que t'es né aujourd'hui, tu chantes Modéani. Mais vadaï, mais toute ta vie elle chante, frérot. Et tu sais ce qu'il dit Hachem? Il dit Hachem, tout homme qui dira Ani Ayom Yeledetira, et ben il va se passer ça. Non. Vas-y, lis. Je vais dire tous les jours, moi. 8. Demande-le-moi et je te donnerai des peuples comme héritage, les confins de la terre pour domaine. Les graisses de la terre. Rien que demande. Tu demandes, tu vas recevoir. C'est tout. Rien que tu me demandes. T'as un problème avec quelqu'un, dis-le-moi. Ça, c'est un homme qui vit avec Annie Ayam et les détires. Et il continue. 9. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les broieras comme un vase de potier. Ça sera toutes les personnes qui seront contre toi. Je vais te les déchirer tous. Pourquoi? Parce que Ani Ayom Yeledetira, rien que ça. Rien que si j'arrive à vivre ça, alors c'est tout. Et maintenant, au roi, sachez comprendre. Tenez-vous pour averti, juge de la terre. Ouais, continue. Adorez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en Dieu avec tremblement. Continue. Vite, améliorez-vous, de peur qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte, car bien vite sa colère prend feu. Donc, en résumé, il dit David, maintenant que je vous ai dit tout ça, choisissez vos clans. Est-ce que vous voulez faire partie des gens qui vous hantent toute la journée d'y croire encore que ça fait 15 ans et moi j'ai de l'expérience et j'ai fait de l'argent et j'ai des projets, je veux faire ce monde. Et même dans la spiritualité, j'ai beaucoup étudié, je connais tout et personne ne peut m'apprendre et je sais de quoi on parle. Toutes ces choses-là. Un homme comme ça, c'est l'inverse d'aujourd'hui je suis né. Aujourd'hui, je suis né, c'est le mec qui est ouvert et qui est prêt à écouter de tout le monde. Il est prêt toujours à avancer. Il ne comprend rien. Hein? Il comprend vraiment. Il est là. Que le temps, il n'a pas influence aujourd'hui, en toi. Aujourd'hui, je suis né ou aujourd'hui, je l'ai HM? C'est pas pareil. Non, aujourd'hui, je suis né. Pas juste aujourd'hui. Chaque seconde, tu dois le vivre, ça. Tu dois arriver à un but. Que chaque seconde, aujourd'hui je suis né, ça veut dire tout ce que tu as fait auparavant, il n'influence pas ta vie. C'est aussi, et ton futur, il n'influence pas ta vie. C'est toi le propre maître de ta vie. Mais c'est quoi l'histoire? Attends, un bébé il se fait bercer, il agit pas dans ce monde. On doit se lever matin, on doit agir comme des guerriers, on doit être des héros, maintenant on doit être un héros. Alors là, Dieu, il dit juste une chose. Il dit juste demande-moi. Ce qui fait un bébé, quand il a besoin de son lait, il pleure. Il est bercé toute la journée. On est bercé par Hachem. Quand on veut quelque chose, on demande, on a. C'est tout. C'est comme ça. Un premier-né. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Et comment il termine le psaume? Ashrei kol chosebo. Heureux l'homme qui vit une sorte de vie pareille. Heureux l'homme qui vit une vie pareille. Que le passé ne fait pas attention. Et qui... Ça veut dire quoi, Niayom et Leditira? Aujourd'hui, je t'accouche. Ça veut dire que tu ne suis pas zéro. Mais du coup, l'inverse.
Un homme qui naît, il a tout le potentiel de tout, il a tout le projet de tout. Ouais. Donc c'est l'inverse du vide. Ça veut dire, tant que tu penses que tu es vide, c'est-à-dire tant que tu penses que tu peux pas, etc., etc., alors t'es vraiment un peu foutu. Parce que c'est ce que le monde, il veut te... Mais quand tu sais que t'as encore la force, t'as la possibilité, et même que je suis comme je suis, etc., etc., alors là, t'as un homme que tu vis comme David. Je suis pas vide. J'ai le potentiel de tout. Je peux gagner tout. Je peux tout faire. Je peux atteindre tout. Juste en me disant, parce que je me dis, aujourd'hui je suis né. Parce que Hachem l'a choisi à lui. Et à nous, chacun de nous. Ah. Israël, Asher Bechait Par. On peut être droit de ne... On a l'obligation, c'est ce qu'il dit David là, on a l'obligation de dire que, et c'est une preuve, parce que Dieu, il ne crée pas quelque chose en vain. C'est vrai ou faux? Donc s'il t'a créé, c'est pourquoi? C'est parce que le monde ne peut pas vivre sans toi. Ça, tu dois te le dire chaque matin, frérot. Mais tu n'y crois pas. C'est dur de se le dire. Ah, mais on n'y croit pas. Qui je suis. Ouais, mais c'est ça, c'est que oui, la tu fausse, es. C'est de la fausse modestie. C'est ça qu'il dit là, Aniayom et Tira. C'est de la fausse modestie. C'est d'être modeste de dire que je suis rien, mais c'est de la fausse modestie de croire que t'es rien, parce que c'est ça le. Non, parce que t'es le fils du roi, c'est ça qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il. Regarde, qu'est-ce qu'il lit? Regarde, donne-lui son Tehilim deux secondes. Lis le psaume, le verset 6. 7. Voilà. Non, 6. Vani oui. Ouais. Vani. Il est en français. Ah, en français. C'est moi, dit-il, qui ai consacré mon roi sur ma montagne sainte. Ça, Dieu, il dit à chacun des Juifs. C'est moi qui ai désigné vous tous comme le peuple élu dans mon monde. Donc là, il nous dit, chacun de vous, j'ai besoin de vous. Vous êtes mon peuple, il dit Dieu. Vous. Et si on n'accepte pas, alors on ne sait pas qu'est-ce qu'on perd. Incroyable. Il avait quel âge David quand il a révisé son français? Quel âge il avait? David est devenu roi à l'âge de 30 ans, donc il avait 33 ans. Pourquoi il a écrit 3 ans après? Non, puisque ça c'était 3 ans après. Là il a dit. Ça c'est quand il est venu. Quand il était à Hebron. Non, il a vécu 7 ans à Hebron. C'est ton âge. Et, non. Bah, il était 7 ans à Hebron roi. Ouais, c'est après qu'il a. C'est à la fin de. Non, il est 7 ans roi. 3 ans il était à Hebron. Et 37 ans, il était à Jérusalem. Mais quand avant qu'il est venu, donc c'était 3 ans là où il est venu à Jérusalem. Donc il avait 33 ans. C'est la guerre. C'est mon âge aujourd'hui. C'est l'âge de jeu aujourd'hui. T'as 33 aujourd'hui ? 32. Aujourd'hui là ? Non, pas aujourd'hui. Tu sais qu'il a 43 ans. Et toi, quel âge t'as ? 60. Voilà, mes amis, c'était le deuxième psaume de David. Ça continue.